Mes chers amis, bonsoir, que vous soyez gilets jaunes ou pas, de préférence rejoignez les gilets jaunes euh, le plus tôt possible. Et eh bien bonsoir dans mon live. Euh, J'allais dire comme tous les soirs quand je peux, <laughs> quand je suis pas euh, soit arrêté, pour l'instant j'ai pas été arrêté, mais quand je ne suis pas enfermé quelque part. Bienvenue. Allez, euh, pour ma santé. Je suis très fatigué. Vous savez pourquoi. Ceux qui ont loupé des épisodes, merci de regarder mes vidéos précédentes. Sur mon YouTube personnel, c'est le plus facile parce que c'est des vidéos qui se succèdent. Sur Facebook, il y a un mélange de vidéos et de publications. Donc ça pourrait être difficile de faire le tri. Euh, vous trouverez la vidéo Ce qu'ils m'ont fait. Dans laquelle j'explique la mésaventure, la désastreuse mésaventure qui m'est arrivée. Euh, allez, j'ai essayé ce soir de faire un petit peu comme un programme, parce que je, je, je suis seul, comme je vous dis, avec les moyens du bord. Je suis en. Ils m'ont foutu en mauvais état, euh, on va dire, physique. Euh. Donc je, je, je n'ai pas le temps de faire une organisation digne d'une chaîne de télé. Et mon objectif principal, ce n'est pas d'avoir euh, d'être directeur d'une chaîne de télé, mais c'est changer le pays, changer le monde, euh, ce qui me permettra d'avoir enfin euh, de retrouver mes, 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 mes droits de père et d'avoir enfin mes enfants, de les voir et de les avoir, les deux. Euh, voilà pour ceux qui s'inquiètent pour moi écoutez j ai, j ai... cela fait depuis très longtemps que j'ai pris la décision de m'exposer je n'ai plus rien à perdre vous avez ils ont fait un père qui pour ses enfants n'a plus rien à perdre je n'ai peur de rien malgré tout ce que j'ai subi c'était un on va dire entre guillemets un, un, un avertissement à hein, ce que j'ai subi un avertissement et eh bien écoutez ils peuvent continuer. Je ne reculerai jamais. Euh... Donc, le pro... ce que vous voyez défiler, c'est à peu près les thèmes que je vais aborder ce soir. Je vais essayer d'être bref. Je sais qu'avec moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh... Je ne vais pas m'occuper hein, des... des commentaires ni des trolls. Là, pour l'instant, franchement. Vos, vos messages c'est que de l'amour de l'amour fraternel hein, c'est 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 incroyable cet élan de solidarité alors effectivement à mon avis euh, à mon avis je suis euh, très on va dire censuré au niveau de l'exposition de l'exposition de mes vidéos et de mes publications je vous en apporterai les preuves un autre soir hein, mais c'est assez simple hein. Euh, je je n'ai plus aujourd'hui besoin de vous dire que euh, il y a des comptes euh, pro-système qui sont mis en avant sur toutes les plateformes YouTube, Twitter, Facebook, Facebook et puis il y a les autres comptes dérangeants, euh, parmi lesquels votre serviteur, qui sont euh, périodiquement censurés pour un oui ou pour un an mais sinon euh, tout le tout le temps euh, on va dire euh, euh, moins ou bridé voilà bridé dans l'exposition parce qu'il y a des algorithmes vous savez lorsque vous regardez votre téléphone etc vous on vous propose une série de publications de vos amis ou de sur YouTube de ceux auxquels euh, vous abonnez ou même si vous n'êtes pas abonné YouTube fait régulièrement des propositions de, de gens que vous on n'en avait jamais entendu parler, euh, Twitter c'est pareil, pareil, lorsque vous faites une recherche par mots clé ou lorsque vous allez sur le fil d'actualité, c'est des gens que vous connaissez pas forcément et on vous propose comme ça des choses intéressantes, ou alors les lives, Twitter propose tout le temps euh, tout ce qu'il y a comme live, euh, Facebook aussi, etc., etc., et bien sachez que rien, comme je n'arrête pas de vous le dire depuis longtemps, Rien n'est anodin, rien n'est naturel et rien n'est le fruit du hasard. Euh, Lorsqu'on vous mettra sous le nez la vidéo de, de même lorsqu'il était inconnu, la vidéo d'un Eric Drouet, ce n'est pas un hasard. Lorsque vous ne verrez jamais euh, une proposition d'une grande plateforme, d'une des vidéos en live ou pas en live, d'un certain Medim Nawar, ce n'est pas un hasard non plus. Mais voilà, j'ai quand même constitué petit à petit un petit cercle d'amis, de vrais amis, virtuels certes, euh, que je n'ai jamais rencontrés certes, que dans lesquels certes il peut y avoir des, euh, des personnes mal intentionnées qui ont bien joué le jeu de la solidarité, de l'amitié, de la fraternité. Mais bon, je veux dire, au moins, euh, il y a un bon nombre. Il y a un très bon nombre de personnes véritablement, véritablement honnêtes et véritablement sincères envers moi, mais pas uniquement envers moi, envers moi, mais envers, euh, envers, 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 envers vous tous, hein, envers, envers, envers leurs prochains, envers les gilets jaunes, envers la révolution, envers euh, l'humain, la vérité, la justice. Voilà. Bon, ces personnes se reconnaîtront parce que euh, je passe mes journées donc, à interagir avec elles. Ah, je ne chôme pas, non, je ne chôme pas. Et, euh, et si vous voulez donc rejoindre ces personnes-là, euh, la porte d'entrée, euh, vous le verrez défiler, c'est. Ah, voilà, là, voilà. Vous verrez défiler, c'est. Euh, mon groupe facebook gilet france gilet jaune la vraie colère voilà la différence avec les autres c'est que là c'est la vraie colère et puis là vous avez le lien qui défile et que j'inscris un peu partout c'est la porte d'entrée euh, vous entrez dessus et euh, dans le groupe j'ai mis deux liens supplémentaires hein, une autre d'autres portes qui se, qui se succèdent. Euh, l'un pour euh, mon, le même groupe mais sur VK qui pour l'instant est un peu mort parce que j'ai pas le temps de m'occuper de tout. Et l'autre c'est un lien pour messenger pour un groupe messenger porte d'entrée de plusieurs autres groupes messenger et enfin desquels le fameux groupe euh, tout en haut bon bah, j'ai fait une hiérarchie pyramidale un peu à la franc-maçonnerie hein. on va on va pas prendre ce qui fonctionne pas. On va prendre ce qui fonctionne et on va combattre, on va combattre ce qui ne marche, ce qui ce qui est mauvais. Donc voilà, j'ai fait une espèce d'hiérarchie comme ça, par vase communicants et ça me permet de faire des filtres et virer ceux qui ceux qui n'arrivent pas à faire le, 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 on va dire le marathon de l'honnêteté. De hein, J'appellerai ça comme ça, le marathon de la, de la sincérité, le marathon de... de de, de la vérité envers moi en tout cas mais voilà vous m'avez compris donc euh, voilà euh, je converse beaucoup avec le, le, le groupe que j'ai mis tout en haut qui est constitué d'un très peu nombre de personnes ces personnes sont aussi les seules modératrices euh, de mon groupe donc facebook euh, la vraie colère gilets jaunes la vraie colère voilà, bon ben j'ai que je commence à constituer une espèce d'organisation parce qu'il faut s'organiser, il hein. faut, faut pas. Ceux qui vous en racontent des histoires comme quoi euh, on arrivera à, à faire quelque chose et qu'une révolution peut se faire sans chef et sans organisation et de manière apolitique, bon ben vous, vous, vous les avez démasqués aujourd'hui, hein. c'est. <laughs> Quelle meilleure manière pour, pour ne jamais arriver à rien d'avoir en face. Euh, des gouvernements très très bien organisés, des sociétés secrètes, euh, parmi lesquelles la franc-maçonnerie extrêmement bien hiérarchisée, organisée, euh, et que sais-je, des tissus politiques, des tissus associatifs très bien organisés, et puis arriver, nous, en disant, non, non, nous, c'est chaque, chaque, voilà, chacun pour soi, euh, euh, non, ça marchera jamais, il faut, il faut un minimum d'organisation de la dissidence et là vu qu'on est dans les gilets jaunes ça aurait été les bérets euh, marrants j'aurais soutenu les bérets marrants là vu qu'on est dans les gilets jaunes et qu'à la base ça a, ça a été créé par le système on va pas revenir là-dessus ça on est d'accord là-dessus j'étais le premier à vous le dire mais on a réussi entre temps à récupérer donc ce système qui leur échappe il va falloir en faire quelque chose euh, ce système je me suis trompé ce mouvement c'est euh, ce symbole du Gilet jaune. On a réussi entre-temps, votre serviteur et d'autres, et vous-même, hein, par, par votre propre intuition, votre propre logique, on a réussi à leur faire... Euh, à les déborder, hein, à les déborder dans leur plan, et à s'approprier une partie, parce que ce n'est pas la totalité, il hein, y en a beaucoup encore, qui défendent des agents du système, euh, comme Eric Drouet, euh, Jérôme Rodrigue d'autres et François Boulot, Jacqueline Moreau, je vais pas vous les citer tous, vous les connaissez. Hein. Hop, ramous, euh, voilà, et d'autres. Bon. Donc, euh, bah, je vais essayer de dérouler le programme. Je vais essayer d'être euh, court. Euh, je vérifie que tout va bien sur la connexion Facebook parce que... C'est... Euh, je ne peux pas voir... Je diffuse en simultané sur plusieurs plateformes. Hein. Je ne peux pas être partout et voir partout. J'espère. Je tends vers... Euh, je vous le demande continuellement à ce qu'on s'organise. Vous organisez, ceux qui veulent me faire confiance, vous organisez autour de moi et avec moi. j'essaie d'éviter au maximum parce que euh, le système se joue sur no notre ego joue sur la faiblesse de l'humain. C'est une science, vous savez, les, 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 les sciences humaines, les, les, c'est de la PNL, du mentalisme, c'est de l'ingénierie sociale, c'est extrêmement perfectionné, c'est une science. Il, en face, il, il y a une armada, une machinerie, une, des moyens colossaux, gigantesques, de l'intelligence artificielle, des gens qui travaillent, des, 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 des gens diplômés. Hein, qui, qui savent comment nous emmener dans un sens ou dans un autre, qui savent très bien comment euh, orchestrer des événements pour euh, quand, nous désinformer en continu, qui savent très bien comment créer en permanence des, 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 des égrégores, des, des, des faux prophètes, des faux dissidents, des faux opposants, qui, qui, qui savent très bien, enfin, tout, y a, je vais dire, il faut un, un moment... Il faut que vous arriviez à laisser partir un peu votre sens de la logique et votre imagination pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et donc, nous en face, si en plus c'est chacun pour soi, comme ils veulent depuis toujours, on n'y arrivera jamais, les amis. Euh... Alors, vous, permettez, vous, vous, vous me pardonnerez hein, à chaque fois que vous me verrez, soit une erreur de langage, soit des oublis. C'est parce que ceux qui ont loupé des épisodes revenaient à la vidéo que je vous ai citée, ce qu'ils m'ont fait. Je suis encore sous les traces des psychotropes qui m'ont mis, qui m'ont fait boire. Et donc je suis en train de me sevrer de ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai de l'expérience de dans le domaine. J'ai arrêté moi-même plusieurs choses. J'ai arrêté la cigarette que là malheureusement j'ai repris. J'ai perdu beaucoup de poids euh, tout seul, J je, je fais très attention à mon alimentation, à mon, à mon mode de vie. Euh, je, je, ne bois pas depuis, je ne bois plus d'alcool depuis euh, plus de deux ans, mais ça, ça c'est un choix personnel. Je me suis dit que je n'avais plus le droit, même ne serait-ce qu'à un, une coupe de champagne pour la bonne année, euh, à partir du moment où je ne vois pas mes enfants. Peut-être que je débouchonnerai euh, ma Johnny Walker ticket noir qui attend depuis deux ans en bas on peut, avec quelques bouteilles de vin qui n'avaient pas de valeur à la base mais qui, à force d'attendre, vont prendre peut-être de la valeur euh, lorsque je retrouverai enfin euh, mes droits de père et euh, lorsque j'aurai enfin euh, la garde de mes enfants. Mais euh, voilà, j'ai l'habitude, je sais comment il faut se sevrer, j'ai bon, mes propres protocoles, hein, c'est par palier, par palier de 21 jours, même moins s'il le faut, il faut faire du sport pour faire ressortir la toxine euh, au travers de la sueur, mais le sport hein, sert à beaucoup d'autres choses. Bon, euh, <laughs> il faudra faire des lives et des lives et des nuits en terre pour, pour que je, je laisse libre cours comme ça. À mes... à mes pensées, à ce que j'ai envie de vous dire. Je pourrais écrire des livres, je n'ai pas le temps. S'il y a quelqu'un qui veut se proposer comme négrier, comme négrier, euh, j'ai tellement de livres que je pourrais écrire. Comment arrêter la cigarette Comment perdre du poids sans souffrir Comment, enfin, plein de conseils. Comment quitter les médicaments de la psychiatrie Comment se soigner euh, autrement Comment ne plus jamais toucher à un paracétamol Comment, 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 comment. Déjà là, euh, je, je fais du hors sujet, mais euh, énorme alors que je voulais être court. Euh, donc, allez, on va revenir. Vous, vous le savez très bien, euh, je ne prépare pas, je, je n'ai pas les moyens de faire des préparations comme une chaîne. Et puis, je ne suis pas payé. Hein, Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, de manière brute, mais je ne vous dois rien. Hein, je n'ai jamais fait rentrer le moindre euro. Depuis que je, je suis dans la dissidence, euh, je me suis présenté sur mon propre argent aux législatives 2017, les dernières législatives, j'ai d'ailleurs contracté des crédits et je n'ai pas j'étais loin des 5%. Donc là je suis acculé de crédits, pas uniquement pour ça, mais pour, pour aussi pour pouvoir vivre. Je suis acculé de crédits, Je suis ici hébergé. Euh, je je n'ai pas envie de céder. Euh, à la facilité de demander de l'argent et vous êtes beaucoup vous êtes magnifique hein, c'est de l'amour fraternel que vous me donnez femme et homme à me proposer ou vous ne savez pas comment me donner de l'argent euh, et moi je vous le réponds je vous réponds encore une fois je le fais là devant tout le monde je n'ai pas envie de tomber dans les la perversité de, 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 des cagnottes ou de l'argent pris comme ça de main en main et si c'est pas pris de, de la main en main de main en main on va tomber sous le coup des impôts et de la fiscalité etc donc je veux dire dans, dans les deux cas je n'ai pas envie de me de, de, de créer des nou, de, de nouveaux problèmes et je n'ai pas surtout envie de d'atteindre d'atteindre à la noble cause de notre révolution à la noble cause de, des gilets jaunes hein, les vrais gilets jaunes donc bon bah ben je ce n'est pas grave je j'essaie je, de tenir comme je peux j'aurais besoin d'acheter du matériel j'aurai besoin d'un deuxième portable parce que là avec tout ce que je fais un portable ne suffit pas j'ai d'autres portables hein, mais qui sont qui commencent à dater qui sont dépassés hein, j'en ai plein là c'est pour ceux qui connaissent les portables regardez il est toujours vivant un samsung s4 et c'était bien à l'ancienne bon voilà ben on va changer de sujet mais c'est important ce fut un temps c'était mieux parce que regardez on pouvait ouvrir son téléphone et on pouvait euh, changer les batteries moi j'ai plusieurs batteries hein, de, que j'ai gardé du samsung s4 mais il y avait d'autres téléphones là aussi le, le, le lg g4 et plein aujourd'hui ça n'existe plus hein ou alors à de très très rares euh, exceptions, mais il va falloir me les dire. Pas les grandes marques en tout cas, pas les Samsung, les Apple, les LG. Et donc ce qu'on pouvait faire, c'était ça, ça c'était génial, c'est qu'on pouvait enlever la batterie. Et ce n'est pas, pas suffisant, mais déjà, quand vous enlevez une batterie sur un téléphone, vous pouvez être rassuré euh, sur le fait que vous n'êtes pas surveillé ou que sais-je, ce qu'ils qu qu arrivent à faire aujourd'hui et ce qu'ils ne nous, nous disent pas au travers de nos, de nos smartphones. Hein, peut-être qu'ils peuvent perturber notre sommeil, peut-être qu'ils peuvent, je dirais même, je suis presque sûr qu'ils peuvent faire ça, hein, perturber le sommeil, euh, et même au-delà. Bon, aujourd'hui c'est impossible parce que les batteries sont enfermées, elles sont soudées. Il est, si vous ouvrez votre téléphone, il est claqué. Hein, c'est comme la mode dernier Samsung. Euh, c'est le Note 8, il me semble. C'est pas le dernier, mais l'un des derniers. Et on peut plus reculer parce que là, avec un téléphone comme ça, perso, je peux plus faire grand chose. Hein, je peux plus faire grand chose, ou alors euh, je vais mettre. Euh, cent fois plus cent fois plus de temps à me battre contre le téléphone pour pour qu'il accepte d'exécuter les multiples tâches que je vais lui demander donc euh, tout ceci pour vous dire que ils ont tout soudé ils ont tout fermé ils ont tout verrouillé à l'intérieur du téléphone et même lorsque votre téléphone va vous dire qu'il n'a plus du tout de charge comment pouvez-vous le croire est-ce que est-ce que ça n'a pas été programmé pour que euh, malgré tout ça garde on va dire entre guillemets peut-être 20% de charge euh, de sécurité pour les besoins de la surveillance et que le téléphone lui indiquera qu'il est à zéro voilà euh, tant qu'on ne peut pas enlever une batterie les amis on peut jamais être sûr de rien bon c'était important j'ai bifurqué un peu mais c'était important alors revenons sur le programme je vous parle à chaque fois. Là, j'ai fait un petit peu les thèmes. J'ai choisi certains thèmes. Je ne peux pas tout aborder. Il y a tellement de vidéos à analyser. Il y a tellement d'informations. Il se passe tellement de choses dans le monde dont il faudrait que je vous parle. C'est impossible, les amis. Ni pour vous, pour gober mes vidéos, ni pour moi, surtout avec mon état de santé actuel. Euh, donc, je, je vous ai toujours parlé comme je vous parle ce soir à la volée. Hein, je vous parle sans prompteur, sans note, je vous parle à la volée comme ça. Par contre, ce soir, j'ai essayé un peu de prendre quelques thèmes et d'organiser. Donc voilà, je les ai notés. Et c'est les mêmes que vous voyez défiler là en bas. C'est les mêmes thèmes. Alors, je laisserai le thème, même s'il a été marqué, je crois, en premier, de cette euh, femme Béatrice Elbez. Euh, je, laisse, je le laisserai à la fin parce que c'est du porno, hein. vous verrez. Euh, il y a eu une suite, elle m'a répondu, elle m'a même appelé. C'est du c'est du c'est du interdit au moins de 22 ans. Euh, on laissera ça à la fin, même ça, ça fait mal au cœur, hein, la vulgarité qu'elle qu qu utilise. Donc on va laisser ça à la fin. Euh, donc pour ceux qui ont loupé cet épisode, vous regardez ma vidéo d'hier. Il ne faudra pas chercher loin. J'ai parlé d'elle pour la première fois hier, vous regardez hier, et aujourd'hui c'est la et la 2 et la fin. Euh, je vais dire on va s'arrêter là avec cette femme, vous, le, vous, vous comprendrez à la fin pourquoi. Donc ensuite sinon, on va dérouler... Alors on va attaquer sur les Champs-Élysées, je voulais vous dire un mot. Euh, sur l'acte 18 et sur les autres actes, et sur les images, euh, le harcèlement d'images, donc, euh, de soi-disant euh, gilets jaunes euh, agressifs, euh, enfin, je veux dire, c'est vous et moi qui, sont, qui, sommes, qui sommes en permanence attaqués par les médias, euh, salis, et diffamés par les médias et par les politiques. Hein. Lorsqu'ils montrent des dégâts, du feu, des blessures, des pleurs, des, des, des que sais-je moi, tout ce qui est sensationnel, et que à côté ils montrent du jaune, des gilets jaunes et qu'ils en parlent, et qu'ils s'en cachent pas, et qu'ils parlent des actes, ben, je vais dire, le lien est évident. Le lien est évident, c'est que c'est pour salir les gilets jaunes et pour nous accuser. Donc moi, le mot que j'ai envie de dire, sans rentrer dans des démonstrations, des vidéos, des articles, etc., je vais vous dire une chose simple. Depuis le début euh, les vidéos se mul multiplient, les actes se succèdent et c'est tant mieux. Mais euh, moi-même, hein, moi-même j'ai partagé beaucoup de vidéos et je continuerai parce que je, je, je vais dire hein, le tri est, 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 est extrêmement difficile. Euh, donc beaucoup, beaucoup. En tout cas celles qui sont partagées massivement, celles qui sont publiées par les médias, de vidéos, sont tout simplement des orchestrations. Hein, des orchestrations pour que le système garde la main sur ce qui se passe. Euh, les gilets jaunes euh, qui ne vont pas sur les Champs-Élysées euh, ne sont pas euh, forcément exposés ni sur les réseaux sociaux ni euh, dans les merdias, les gilets jaunes qui vont faire leur acte, peu importe le numéro du, de l'acte, mais là, l'acte 18, sur un banal rond-point, au fin fond de je ne sais quel endroit, alors moi-même je suis en Normandie, hein, mais même en Normandie ou ailleurs, eh bien, combien même ils feraient, ils feraient des lives, combien même ils partageraient sur les groupes, ils n'auront pas la même exposition qu'une vidéo violente faite par de l'orchestration. Euh, enfin, vous comprenez mon propos. Donc, les gilets jaunes de bien, ils sont là, et ils sont heureusement très, très nombreux. Le problème, c'est l'exposition, mes chers amis. C'est comme votre serviteur, je ne bénéficie d'aucune exposition, si ce n'est mon acharnement, et le fait que vous vous battez avec moi euh, pour me partager, pour parler de mon travail. Etc. Et pour me suivre, euh, j'ai été chassé. Moi, comme vous qui osez partager mes vidéos, mes lives sur les groupes, euh, on va dire entre guillemets, du système, je, je ne peux plus, je ne suis plus, je ne peux plus partager aucun travail sur les groupes, euh, les, tout ce qui est Gilets jaunes, tout ce qui est France en colère, etc. Les groupes, les, les bien fournis, hein, avec 300 000 personnes présentes, euh, même des fois plus. J'ai été chassé. Là, pour l'instant, le seul groupe sur lequel je peux partager et qui est, je veux dire, qui est, euh, qui est bien, qui est bien suivi, c'est le groupe de Eric Fioril. Donc, il s'appelle Conseil National. Mais pour le reste, euh, voilà, c'est pas la peine. Donc voilà. Je, là, ce soir, vous êtes une soixantaine, ce qui est extraordinaire, hein, avec tout ce que je. Je viens de vous dire de, 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 de bridage que, que je subis euh, une soixantaine sur facebook vous êtes aussi présent sur d'autres euh, plateformes parce que je diffuse en simultané par sécurité si on censure l'un en moins mes vidéos persistent sur l'autre donc je diffuse comme je vous dis euh, sur VK, le Facebook russe, je vous invite massivement à aller créer un compte dessus, par sécurité, on ne sait jamais. Sur euh, Periscope, qui est lié donc à Twitter, sur YouTube, mais sur un compte de secours, parce que mon YouTube principal m'interdit de. Euh... Alors, je m'arrête parce que je vois comme signal des trolls. Ah bah c'est la fameuse euh, Béatrice Elbez, bah qu'elle reste. Mais si elle répète les mêmes commentaires avec des copiers-collés, c'est pas la peine, je vais la bloquer. Donc si tu veux rester, Béatrice, pour t'écouter parler, reste. Mais arrête de faire des copier collés sinon je te bloque. Ok. Tu, 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 as, tu as eu ton heure de gloire hier, en tout cas dans mes lives. Hein. Et tu auras ton heure de gloire euh, ce soir aussi, t'inquiète pas, sois pas pressé, Béatrice. Hein. Sois pas pressé, on parlera de toi à la fin. C'est du porno. Ce, 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 ce que tu m'as écrit et ce que tu m'as ce dit, c'est carrément de, du X. On garde ça pour la fin. Quand, quand les enfants seront couchés. Là, je vois que ma connexion est attaquée, donc ce n'est pas grave, je ne m'arrêterai pas. Euh, je, fais, je ferai comme je fais d'habitude c'est à dire que euh, je mettrai cette vidéo à sa fin euh, tranquillement sur youtube et sur d'autres réseaux s'il le faut donc euh, ils peuvent attaquer ma connexion il n'y a pas de souci euh, les copains à béatrice et, et, et plein d'autres copains à d'autres copains au système hein, et à, comment il s'appelle à, à Rodrigue que j'ai démasqué hein. La DG ici. Hein. Bon. Euh, alors, continuons. Donc, si je vois, encore une fois, que tu essaies de perturber mon live, je te bloque, euh, on va faire simple. Euh, au moins, euh, écoute, si ça t'intéresse, je vais parler de toi à la fin. Euh, je m'adresse à toi, donc Béatrice Elbez. Euh, bon, j'ai été coupé dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans le fil de mes idées, ce n'est pas grave. Alors, oui, je parlais des Champs-Élysées et euh, des orchestrations. Donc, les amis, bon, on va faire simple. Euh, la France n'est pas les Champs-Élysées. Hum euh, regardez chaque acte. Les Merdias sont focalisés uniquement sur la place de l'Étoile. Les Champs-Élysées, peut-être des fois, ils, ils partent. Bah, quand il y a eu l'orchestration pour, pour Rodrigue, c'était place de la Bastille. Mais ça, ça reste des endroits donc, qui, qui sont donnés par leurs représentants, le représentant du système, ça veut dire les, les drouet et compagnie, les. Euh, bon, allez, bah, je ne vais pas citer tout le monde, mais ceux qui vous appellent, à, à, qui vous disent on va aller euh, ici, on va aller là-bas, on ira, on ira, que sais-je, moi, à Bourges, on ira là-bas. Voilà. C'est justement les endroits où vous perdez votre temps à y aller. Ou alors, si vous y allez, vous, vous essayez de filmer pour que ça serve euh, au décryptage et à la dissidence et à nous tous, pour qu'on ait d'autres euh, vidéos que celles qui sont servies par le système. Parce que là, toutes les vidéos qui sont partagées, je le répète, l'immense ma, majorité sont des vidéos provenant du système. Ils se débrouillent toujours pour que ce soit mal filmés pour que ce soit des images difficilement analysables pour qu'en plus leurs acteurs ils soient toujours grimés avec un euh, soi-disant des, 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 des masques pour les soi-disant euh, street medics hein, qui ne sont que des agents du système alors peut-être dedans c'est comme toujours il hein, y, a, y, a, y a un gros paquet de didiotiles qui savent pas euh, qui les a mis ici euh, et à quoi ils servent en réalité qui, qui ont juste proposé bénévolement et de bonne foi leur service parce que dans la, dans la vie, c'est des aides-soignants, des infirmiers, peut-être même des médecins, mais qui ne savent pas qui, savent pas qui, euh, qui les pilotent euh, derrière. Mais c'est que de l'orchestration, d'accord Alors, de l'orchestration, quand, quand, quand je parle d'orchestration, les amis, que ce soit pour les attentats ou pour autre chose. Ce n'est pas forcément avec du faux. L'orchestration, ça peut être aussi avec du vrai. Euh, un attentat peut être orchestré avec des vrais morts. D'accord euh, Là, les, les orchestrations euh, sont orchestrées avec, avec des, vrais, euh, des vrais feux, des vraies euh, explosions, des vrais lacrymos, des vrais euh, bastons. Euh, voilà, avec du vrai sang. Euh, sang et sa NG. Euh, voilà. Bon. Et puis, il y a un sacré paquet, c'est de la comédie. Hein, je vous l'ai démontré. Ça se voit que c'est de, euh, de la peinture euh, qu'ils veulent faire passer pour du sang. Ou des matraques qui sont des matraques euh, euh, comme... Euh, qui sont aussi résistantes que, le, que les doudous de mon chien. Tiens, ça me permet de, de les présenter. Regardez, regardez l'état dans lequel il est sans. Euh, je ne sais pas si c'est un poulet. Son espèce de poulet. Comment il a massacré. Et sans. Ce qui aurait pu être. Ce qui aurait dû être un canard. Regardez la tête du canard. Bon, je vous rassure, ce pas des vrais animaux. Hein. C'est des doudous. Ce qui, ça, alors, ça, ça aurait dû être un canard. Là, 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 on voit son oeil. Il ne reste plus rien. Je vais, lui, je vais lui donner ses jouets, comme ça vous pouvez regarder le chien à nouveau. Et euh, il, il, il lorgne toujours sur les jouets de mes enfants. Enfin, les jouets. Les doudous de mes enfants. Il aime. Il aime les, euh, les doudous, ce chien. Tiens, je vais le mettre comme ça, on reviendra sur les Champs-Élysées après. Je vais le mettre à l'écran. Il a avancé. Hein. Il a sacrément avancé. Non, tu reviens là-bas. Tu reviens là-bas. Allez. Sur le tapis. Sur le tapis. Tu vas sur le tapis. On va lui envoyer son canard. Comme ça, il ira sur le tapis. Tiens. Allez, tu restes là-bas. Assis. 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 Voilà. Ça, c'est couché. Mais bon, c'est la même chose. Euh, donc voilà. Et derrière lui, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez le Spiderman. Il y a des, des, il y a des doudous derrière lui qu'à chaque fois il lorgne dessus pour pour les prendre. Mais bon, c'est c'est le Spiderman à mon fils et l'autre doudou, c'est le doudou un des doudous à à, à ma fille. Et en haut, c'est le doudou de naissance qu'avait qu eu mon fils en haut le le plus tôt. Alors, mon euh, chien, donc pour ceux que, euh, qui se le demandent, parce que je vois que vous avez écrit les choux, merci, merci Sophia, merci à tout le monde, je ne peux pas vous lire tous. Euh, donc il s'appelle Iori, c'est un personnage de jeu vidéo pour ceux qui connaissent, Iori, et euh, en diminutif, Yo-Yo, voilà, on l'appelle Yo-Yo en diminutif. C'est le chien à mes enfants que je promets à chaque fois à mes enfants qu'ils n'ont jamais euh, vu jusqu'à présent. Il a moins d'un an. Il a moins d'un an. Je l'ai acheté pour mes enfants. Et je leur dis, parce que j'ai juste un contact téléphonique avec mes enfants et en plus enregistré par mon ex-femme. Euh, donc voilà, mes enfants n'ont en jamais vu mon chien. Leur chien. Allez, on va revenir. À nous, si jamais il fait cuiner un peu trop ce, ce canard, j'irai lui enlever. De toute façon, il va pas tarder à dormir là. Vous, vous l'entendrez re renfler comme hier. Yo yo, voilà. Allez. Euh... Donc revenons aux Champs-Élysées. Donc voilà, bah bah, je, je pense que vous avez tout dit. Hein. Euh, les Merdia se focalisent tous, tous les actes, sur cette foutue euh, portion euh, qu'ils aiment, les Champs-Élysées. Des fois d'autres endroits aussi, mais les Champs-Élysées. Euh, ça a été démontré, je voulais vous l'ai démontré, mais ça a été démontré par plusieurs euh, lives. Entre autres, euh, je cite euh, la la chaîne des pirates, je pense, ou si je peux me tromper, mais euh, voilà, qui avait fait un live et oui, qui avait démontré qu'il y avait des d'énormes filtres, barrages, quadrillants, les Champs-Élysées, hein, toutes les rues quadrillants. En fait, pour accéder aux Champs-Élysées, mes chers amis, c'est mission impossible. Il faudra passer tellement de sécurité euh, policière, hein, pas privée. Hein tellement de barrages tellement vous faire fouiller et votre identité et tout le bazar que c'est je vais dire à la fin comprenez que là-dedans sur les champs-élysées il y a quelques personnes de bonne volonté entre guillemets peut-être qui savent ce qu'elles font qui sont là-bas pour observer vraiment et pour enregistrer vraiment dans un but de dissidence mais beaucoup qui sont des idiots utiles qui veulent juste euh, aller là où les caméras filment pour uh, toujours dans le même esprit euh, que la, la, la Coupe du Monde, euh, allez, on a gagné, faut, faut, euh, suivre ce que les bergers leur indiquent, quoi. Et, surtout, c'est là où je voulais en venir, il n'y a que des agents du système, des, des intermittents du spectacle. Ils utilisent beaucoup les intermittents du spectacle. Ce pas pour rien que les intermittents du spectacle ne sont jamais emmerdés. Ils touchent des indemnités toute l'année, euh, même s'ils travaillent pas. Et personne ne remet déjà ça en cause. Et c'est un jeu, vous voyez, des fois le gouvernement qui dit oh, on va toucher un petit peu à ça, c'est un jeu. Et pourquoi ils y touchent pas Donc voilà, c'est les intermittents du spectacle qui sont utilisés, encore une fois. Ne généralisant pas, mais je parle de l'immense majorité, hein, de l'immense ceux en tout cas qui touchent, hein, ceux qui vivent. C'est comme les journalistes. Il hein. euh, y a un certain, un certain, une certaine personne que vous connaissez bien qui a dit un journaliste, c'est soit il est au chômage, soit il soit il est pute, soit il est au chômage. Bah ben là, c'est la même chose pour les intermittents. Hein. C'est soit c'est des prostituées du système, soit ils sont au chômage. Donc euh, voilà, ceux qui sont indemnisés, qui arrivent à bien vivre, eh bien, c'est des prostituées du système. Euh, alors, la personne que je viens de citer là, sur cette phrase, je le respecte sur beaucoup de points, mais euh, je ne le soutiens pas, en tout cas plus, depuis euh, qu'il y a plusieurs éclaircissements qu'il a refusés. Allez, on ne va pas tourner autour du pot, je parle d'Alain Soral. Depuis que je lui ai demandé plusieurs éclaircissements. Et euh, tout ce que j'ai eu en retour, c'est que j'ai été bloqué deux fois par lui sur deux réseaux, sur Facebook et sur VK. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Néanmoins, je, il m'a... Euh, lorsque je, 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 je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire le mot dissidence, lorsque j'étais encore enfermé dans mon cocon, métro boulot dodo, que j'étais euh, conducteur de métro. Euh, malgré que bon c'est pas en adéquation avec mes diplômes mais bon c'était ça ou rien. Donc quand j'étais dans ce, ce modèle euh, maison, femme, euh, chien, voiture, euh, enfant, euh, course, euh, télé, resto, euh, quand j'étais encore endormi, eh bien il m'a euh, il m'a ouvert les yeux. Mais euh, voilà, je n'adhère pas à sa ligne, je n'adhère pas, il y a plusieurs éclaircissements qu'il refuse de m'apporter. Euh, et pour faire simple, d'ailleurs on va joindre euh, à l'image, à, à la parole, on va joindre l'image. Pour faire simple, regardez, euh, ça me permet de vous remontrer mon groupe. Donc on va aller sur gilet jaune euh, labré colère, mon groupe et euh, tout ceci pour vous montrer euh, une, une, une affiche que je vous ai promis de mettre toujours à jour parce que vous me demandez hein, vous vous intéressez à mon avis et ça me fait plaisir comme ça vous avez mon avis sur à peu près euh, tout le monde de manière générale alors voilà gilet jaune la bricolère je vous mets ça à l'écran et pour ceux qui ne connaissent pas c'est pour vous montrer la fiche que j'avais fait allez hop voilà donc ça c'est mon groupe hein. gilet jaune la vraie colère Alors, on ne sait jamais si on, on crée des doublons voilà ça c'est mon pied et c'était euh, pendant les, les dernières législatives c'était la candidate de Macron dans ma circonscription, euh, la, circonscri la 11e circonscription des Yvelines. Donc euh, j'étais à Trapp. Et donc là j'ai déchiré son vie. Bah, C'est Nadia Aïe, hein, celle que le, le manipulateur euh, sioniste Hanuna euh, dit qu'elle est courageuse, comme aussi euh, il donne le label de courage à une certaine Schiappa franc-maçonne. Euh, voilà, donc et là vous voyez, ça c'est mon pied, et donc voilà le message c'était la République en marche, et eh ben la République en panne, et, et pas d'aujourd'hui, depuis, euh, depuis qu'elle a été créée. On va dire bon, ça c'est un sac, c'est un sac, je sais plus si c'est Leclerc, mais bon, on pourrait aussi y voir un signe si on veut être tordu. Voilà, du jaune, du gilet jaune, il est là pour ceux qui, qui cherchent des, des signes là où il n'y en a pas. De la même manière, tiens, je me mets à l'écran, parce que ça c'est important d'éclaircir, malgré que je l'ai dit, je le répète, de la même manière que quand vous, vous faites des arrêts sur image pour chercher des signes dans la gestuelle et le mouvement, que ce soit des miennes ou, de, ou des gens en général. Moi, je parle beaucoup et j'utilise beaucoup en disant, je parle beaucoup en faisant ça. Donc, vous pouvez faire des arrêts sur des images en disant, tiens, regardez le 6 ou je ne sais quoi. Ça, ça, C'est juste que vous n'avez pas un esprit assez affûté d'analyse, tout simplement. Des fois, ça m'est arrivé. Là, regardez, à l'instant présent, je suis comme ça. Et je pourrais sans m'en rendre compte, ma main s'ouvrir et ça, ça, et former le parallélipède de la franc-maçonnerie ou le triangle de, de voilà, j'arrive voilà, le triangle, le triangle de la pyramide, hein, franc-maçonnerie. C'est euh, bête de s'en tenir à ça à chaque fois que je, vous en, je vois certains, ils m'envoient. Des arrêts sur image de certaines personnes en disant regarde là il a fait le 6 ou je, je ne sais quoi pour dire ah, voilà tu vois mais dit avait raison ça c'est la preuve non mais soutenez moi autrement les amis j'ai pas raison parce que vous vous avez figé quelqu'un qui fait moi je parle tout le temps avec les mains comme ça je peux faire là là là, là je sais pas vous pouvez figer ça j'ai bien aimé euh, pujadas euh, pas pujadas euh, marine le pen encore une fois que je que je ne soutiens pas, là c'était, il fallait choisir entre la peste et le choléra euh, lors de l'élection présidentielle, et j'ai appelé donc, à voter Marine Le Pen plutôt que Macron. C'était dans un esprit de foutre le pays en révolution, bon ben c'est arrivé deux ans après, tant mieux. Euh, mais je ne soutiens pas Marine Le Pen. Hein. Et donc euh, Marine Le Pen avait bien fait à un certain moment, lorsque euh, elle était arrivée sur un plateau en montrant l'image d'un Pujadas qui euh, était figé, en, le bras tendu, euh, avec le salut euh, nazi, en disant, regardez, moi aussi je peux faire des arrêts sur image. Alors peut-être Pujadas à ce moment-là faisait coucou à quelqu'un. Donc vous voyez, ça c'est ridicule de vous embarquer, euh, croyant faire de l'analyse et des décryptages, et que sais-je moi, croyant faire bien, donc, à figer des images comme ça, ou à chercher du, du sens dans des images figées. En revanche, ce qui n'est pas la même chose, ah oui, moi je, allez faut aller savoir si ce doigt demain aura une signification. En revanche, euh, là, où je, là où on est d'accord, c'est il, il, il y a des gestuels qui sont intentionnels. Regardez, là j'ai pas fait exprès. Il y a des gestuels qui sont intentionnels et qui sont pas le fruit euh, du hasard. Par exemple, là je vous donne un exemple, faire ça, ça c'est pas naturel. Moi, il m'arrive pas de discuter comme ça. Je peux faire ça, mais je peux pas discuter, euh, faire ça. Non, ça, ça m'a. Ou alors si ça, m'étonnerait. Ça m'arrivera pas. Voilà, je vous dis tout simplement. Moi, discuter et faire ça. Ou alors là, pour vous l'expliquer et que ce soit détourné demain pour dire, voyez, regardez, il l'a fait. Peut-être comme ça, ça arrivera. Je vais dire de mauvaise foi, quelqu'un de mauvaise foi. Mais ça m'arrivera pas dans la vraie, dans la vie. Discuter et faire ça, ça n'arrivera pas. Ça, oui, ça, ça, c'est intentionnel, d'accord euh, Se mettre côte à côte avec quelqu'un, comme les, 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 la vidéo que je vous montre du, du créateur suisse, des personnes célèbres qui se mettent l'une à côté de l'autre et qui, euh, face caméra ou face à l'objectif euh, euh, de photo, font ça. Comme ça, ils font tous les deux en même temps, les deux bras tendus face à l'objectif, euh, le, le geste maçonnique. Ça, c'est très intentionnel, ce qui n'est pas la même chose. Hein, ce qui n'est pas la même chose. Bon, voilà, c'était pas prévu au programme. Là, c'était un petit euh, débrief sur les, les erreurs à ne pas commettre avec les images figées. Euh, alors, revenons euh, au groupe. Voilà. Donc ça, c'est mon groupe. Euh, donc là, on est à peu près 500 personnes dessus. Euh, il faudrait que vous, y arriviez, vous arriviez massivement pour que je puisse lancer mes lives à l'avenir depuis mon groupe et du coup que, euh, mes, que, mes, euh, que mes modérateurs du groupe puissent modérer aussi mes lives, euh, virer les trolls, les insultants, les ceux, qui, les, ceux qui insultent, ceux qui menacent, ceux qui me menacent, euh, les soi-disant. Oui, euh, je pense que c'est il y a une part de vrai, hein, mais les soi-disant agents de la DGSI hein, qui m'appellent de mon propre numéro, c'est mon propre numéro qui m'appelle. Hein, ça, c'est va falloir euh, un jour, va falloir qu'il s'explique là-dessus. Hein. Euh, donc voilà, tout ça pour vous dire que euh, épinglé dans les annonces, épinglé, j'ai fait ce, 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 cette image-là. Regardez, c'est ça, cette image-là et dans laquelle je, je donne mon avis sur qui est de confiance et qui l'est pas. Et au final, si vous lisez ça, vous, vous arrivez à la conclusion que finalement, personne n'est de confiance, mise à l'exception, je l'ai mis tout en bas, j'ai écrit, je suis à, à l'aise avec Eric Fioril, et j'ai mis son compte YouTube, c'est euh, Demosophie », et je viens de vous le dire tout à l'heure, il a un groupe qui s'appelle Conseil National sur Facebook. Donc voilà, je ne peux pas être plus clair, les amis. Je ne peux pas être plus clair. Euh, donc j'ai promis que ce document, là j'ai écrit, ce document sera mis à jour régulièrement et chaque dimanche. Vu que j'ai aucune mise à jour à mettre, je ne l'ai pas changé, mais je le changerai si je devais changer. Alors il y a des personnes qui sont intéressantes, je n'ai cessé d'en citer quelques-unes, et même en plus des personnes qui citent mes travaux, qui me citent, qui, euh, pas comme euh, cette dame. Béatrice Elbez, qui trouve que mon analyse, par exemple, sur Jérôme Rodrigue est pertinente et que mes preuves sont, euh, on va dire, assez suffisantes, euh, ces personnes-là, ben, ben, je, je les respecte et je vous invite à, 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 à les suivre. Là, je ne vais pas m'amuser à, à, à faire un jeu de, 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 de. Comment dire Tu parles de moi, je parle de toi. Là j'ai dit à Eric Furil il a un projet, Eric Furil euh, n'est pas d'aujourd'hui, il dénonce. Donc voilà, j'ai cité Eric Furil. Mais les autres aussi euh, sont valables, euh, euh, pas en totalité de ce qu'ils disent, mais euh, même Eric Furil, hein, je ne peux pas être à 100%, euh, sinon je serais euh, un clone et les autres seraient des clones. Je ne peux pas être à 100 1000 d'accord avec quelqu'un en tout point et en toute heure. Ce n'est pas possible. Je ne suis, je suis à 100 et à 1 million en accord avec moi-même. Et c'est pour ça que je m'expose, que je prends des risques et que, euh, d'ailleurs, je vais vous en parler des européennes, que euh, je je veux, je veux proposer des alternatives politiques, d'accord, et que je suis dans la dissidence. Mais euh, la personne avec laquelle je suis en majorité le plus proche en accord, c'est Eric Fioril. Euh, sa méthode, par contre, ce, ce n'est pas la mienne. Euh, je n'ai pas, euh, pas à dire si le CNT euh, aboutira ou pas, si c'est euh, les personnes qui sont dedans sont euh, intégralement et... Et complètement de confiance ou pas je ne veux pas me mêler de ça je dis tout simplement que lorsque je vois Eric Fioril parler dans ses vidéos je suis en accord avec lui plus que toute autre personne c'est tout ce que je dis et lorsque euh, donc je, je ferai mon parti politique je créerai mon parti politique etc ça sera mon parti politique ça sera pas euh, je n'ai jamais pris de carte euh, nulle part ni au FN, comme certains l'ont sous-entendu, ni chez euh, Eric Fioril, ni, à, ni, ni ailleurs. Euh, voilà, c'est mon choix. Je, serai, euh, je prendrai ma première carte politique dans mon parti. Voilà. Euh, donc, les autres personnes, pour être respectueux avec ces personnes, c'est euh, euh, June. Je ne, connais pas, je ne connais pas ces personnes. Hein. Si elles veulent me contacter, ce sera avec grand plaisir donc june qui m'a cité sur l'analyse de jérôme rodrigue euh, christophe crouloupland qui m'a cité pareil sur cette analyse que alors lui je le connais depuis un moment mais sans le connaître hein, c'est de la connaissance virtuelle euh, chrysalis post qui m'a euh, également cité et surtout euh, <laughs> lorsqu'il avait dit euh, euh, pour une fois quelqu'un qui qui a dit ses vérités à Maxime Nicole, euh, et Maxime Nicole était parti en pleurant, parce qu'il m'avait raccroché au nez, Maxime Nicole. Il était parti en pleurant. Euh, et puis d'autres personnes, franchement, que là, je ne me... Bah tiens, euh, Jules, Jules Engan, euh, aussi, qui fait un, un bon travail, mais je ne peux pas être en accord à, mi... à 100% avec ces personnes. D'ailleurs, je peux même vous dire que, mis à part donc Eric Fioril, j'ai des désaccords les désaccords on va dire sur la sur la stratégie sur l'idée on va dire quelques, euh, un petit peu l'idéologie ce n'est rien de méchant hein, mais voilà je préfère le dire comme comme ça j'ai peur d'être assimilé euh, en tout point et en tout argument avec les personnes que je, dont, dont je vais euh, dire du bien hein, j'ai euh, j'essaye d'être un peu cohérent avec ce que je fais, c'est-à-dire que je ne suis sûr de personne sauf de moi-même. Voilà, et encore, et encore. Demain, si on me propose euh, d'enfin avoir mes enfants, retrouver mes droits de père, avoir la garde de mes enfants, c'est ce que je demande, parce que j'estime qu'ils sont en danger actuellement, d'avoir la garde de, de mes enfants, les pleins pouvoirs sur mes enfants, et de vivre confortablement quelque part, je vous dis pas, mes chers amis, je ne vous dis pas que je, je continuerai à sacrifier ma vie. Je je pense que ça se verra. Hein, si vous me voyez un jour vivre <laughs> vivre confortablement et avec mes enfants, euh, vous devriez douter euh, douter de mon engagement. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Pour l'instant, on est loin de ça. Je suis accablé de dettes, je suis dans le caca jusqu'au cou et je ne vois pas du tout mes enfants, mis à part des coups de fil surveillés, enregistrés par mon ex. j'ai rien du tout. Bon. Alors, ce qui me permet de faire la transition au sujet suivant, qui est les européennes. Alors, les européennes, pourquoi je tiens à créer Donc là, euh, il reste très peu de temps, c'est jusqu'au 4 avril. Mon parti politique est présenté, peu importe qui sera sur cette liste de vous, ben ce sera vous. Hein. Je ne vais, vais pas aller passer une annonce à la NPE, hein. ce sera vous, mon, mon premier cercle de personnes qui m'aident, mes modérateurs, en tout cas les personnes qui veulent, hein. je ne vais pas vous obliger. À vous exposer, à mettre vos noms sur, sur une liste alors que vous, vous voulez garder l'anonymat. Les personnes qui voudront, lorsque je ferai un appel, eh bien, ce sera vous hein, qui, qui serez qui, qui sera sur la liste. Je serai en tête de liste, vous serez avec moi. Et ça sera la même chose. On, re, on reproduira l'expérience, le parti vivra. On reproduira l'expérience pour les municipales. On peut avoir toutes les, euh, un, un candidat dans toutes les villes de France. Hein, euh, vous êtes à, vous êtes partout, ou il y a des dissidents partout. Euh, etc., etc. Alors, pour ceux qui sont persuadés, parce qu'on leur a mis dans la tête qu'il euh, ne faut plus du tout euh, aller dans le combat politique. Mais c'est une fumisterie ce qu'on vous fait croire. Il faut faire quoi alors hum Si on ne fait plus le jeu politique, le jeu légal, le jeu électif, hein, le. Sinon, on, il faut faire quoi? Il faut aller jouer comme avec les. Euh, comme Eric Drouet et d'autres? Euh, aller au McDo, entrer-sortir, soi-disant, de garde à vue, faire des menaces euh, à menacer Macron, de venir on peut, le prendre à l'Elysée, alors que l'autre, il est il est. Il est au ski. D'ailleurs, je, euh, je viens de penser un truc. Ne, ne, ne trouvez-vous pas déjà flagrant que... Euh, Emmanuel Macron va rencontrer absolument tout le monde. Il essaie de de fourrer, excusez-moi l'expression, j'ai pas l'habitude d'être vulgaire, mais excusez-moi l'expression, mais de fourrer son cul là où il peut avoir de de, 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 de l'exposition médiatique, d'aller de, de, fabriquer une orchestration avec un un, un un clandestin qui va passer au bon moment pour sauver un enfant qui attendait juste son passage. Et pour ensuite le recevoir à l'Élysée, lui, lui filer la, la, la nationalité. Enfin, vous voyez bien le personnage Macron. Hein, il n'en louperait pas une pour, 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 pour se placer, etc. Vous, vous trouvez ça logique que jusqu'à présent, soi-disant, qu'il qu il ne rencontre pas ces, ces soi-disant figures des Gilets jaunes, les Drouet, les Maxime Nicole, les Ramos, les tous ceux que vous voyez médiatisés, les boulots Vous trouvez ça logique ça, ça, est-ce que votre logique l'accepte Quand vous voyez que la Jacqueline Moreau elle est en photo avec, avec Macron, qui l'a reçue, et que, euh, il y a eu des tentatives euh, de manipulation, soi-disant que, comment euh, il s'appelle, le Premier ministre, lorsqu'à lorsqu l'époque, c'était maîtrisé encore, hein, qu'il allait recevoir les représentants des Gilets jaunes, et, que, après, et après ils ont fait un simulacre qu'en quoi ils ne s'entendaient pas, etc. Depuis ce temps-là, vous trouvez, vous trouvez ça logique que Macron n'a pas, euh, pas répondu parce que c'est même pas essayé Drouet et les autres n'arrêtent pas de dire pourquoi Macron ne nous parle pas, pourquoi il ne nous reçoit pas. Vous, vous trouvez ça logique que Macron ne veut, veut pas en profiter justement pour les dégommer si jamais c'était des vrais dissidents vous, vous avez vu comment il, il, il s'exprime, Drouet Vous avez vu comment il, il écrit Parce que moi je l'ai encore la capture lorsqu'il a fait... <coughs> appelle hein, par sondage en disant ⁇ à votre avis, il faudra qu'on fasse confiance à qui ?⁇ Il a cité que des journalistes du système. Hein. Natacha Poloni, euh, je ne sais qui, je ne sais qui, je ne sais qui. Euh, mis à part, je crois, je ne sais pas s'il l'a cité, mais mis à part Vincent Lapierre, il a cité que des francs-maçons, que des agents du système. Euh, donc vous pensez vraiment que Macron hésiterait euh, une seconde à recevoir... Euh, Eric Drouet dans un débat. Mais vous vous êtes sensé quand vous pensez ça bon, C'est tout simplement que c est, c est, c est, le, comment dire, le, ce n'est pas programmé ainsi. Ou peut-être euh, ce sera le bouquet final lorsqu'ils ils ils nous feront croire que ça y est, tout le monde s'est entendu et que le Ric. Ils vont le mettre, le RIC, hein, si ça continue. Et, euh, comprenez que ces gens-là, ils risquent la prison. Donc, si ils vous donneront 10 MIC s'il le faut et, et 15 RIC. Hein. Donc, peut-être le bouquet final, euh, euh, Macron recevra, <laughs> recevra dans un débat, ou en tête-à-tête tête ou à plusieurs, ces euh, agents du système médiatisé, les Gilets jaunes médiatisés, et ça sera le bouquet final. Mais, enfin, je veux dire, est-ce que votre logique l'accepte, ça qu'un Éric Drouet n'arrête pas d'invectiver Macron, de dire qu'il va aller le chercher à l'Élysée, qu'il voudrait juste lui parler, et que l'autre, il, il branche pas, il ne lui répond pas, et qu'il le prend. Je veux dire, il n'en profite pas pour le... pour, on va dire, le, 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 le... Je choisis mes mots, je ne veux pas être vulgaire, pour le... Voilà, pour le mettre à terre... Pour le mettre KO euh, verbalement et, et politiquement et dans un débat, parce que Macron c'est quand même du haut niveau, je, je n'arrête pas de vous le dire. Hein. Macron c'est c'est du solide, hein. pas, pas, faut pas, faut, vous n'êtes pas ceux qui, qui prennent Macron pour un pour un pour un stupide, euh, n'ont rien compris à l'affaire. Ah, Macron, c'est quelqu'un de très intelligent, de très très bien formé. Hein. C'est quelqu'un d'un excellent communicant, un, un, un excellent athlète, un excellent coureur de fond. Alors, euh, il est aidé aussi par, par la Reniflette, comme, comme d'autres, mais euh, il est extrêmement bon, euh, Macron, du point de vue euh, euh, communication et on va dire répartie et, et, et culture générale, etc. Pour le reste, il est mauvais, parce qu'il est juste là pour exécuter. Et Même s'il pense fondamentalement qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour le pays, pour, pour nous tous, il les exécute quand même. Donc c'est là où il n'est pas bon. Euh, donc voilà, je pense que euh, m'être assez épanché sur ce sujet dont je voulais vous parler. Allez, continuons. Donc sur les européennes, je reviens sur les européennes. Euh, donc il est absurde de croire que la révolution se fera autrement que par la manière politique. Et en tout cas, moi, il n'y aura pas autre chose avec moi. C'est soit, euh, ça sera une révolution, euh, je vais dire, politique, euh, sans armes, sans, sans baston général, sans guerre civile, sans dissidence clandestine. Je ne rentrerai pas dans la clandestinité, même si là, on veut me pousser. Je ne, je ne suis pas clandestin, j ai, j ai, euh, ni dans la vraie vie, ni là. Euh, voilà, mon adresse, elle est assez facile à identifier, les amis. Hein, je, franchement, euh, ils savent où est-ce que je suis. Hein. Euh, euh, donc, euh, je, ne, je ne rentrerai pas dans la clandestinité. Ça se fera de manière légale, politique. Il n'y en a pas d'autre. Donc, forcément, il faut création de partis, élections et organisation et euh, un argument justement euh, très important que je voudrais vous soumettre j'ai commencé par là en disant beaucoup d'entre vous me proposent de m'aider financièrement c'est vrai que j'ai besoin d'acheter des appareils supplémentaires j'ai besoin de vivre j'ai besoin je suis étranglé par les huissiers je suis étranglé par mon, mon ex-femme Là mon chômage il s'arrête ce mois-ci. Je touche 1500 euros de chômage. Je compte beaucoup sur les prud'hommes mais ça n'aboutit pas pour l'instant. Donc 1500 euros de chômage qui vont s'arrêter hein, et sur lesquels on a considéré que je devais donner une pension de 400 euros. Mon ex-femme tourne aux alentours entre paye entre sa paye. Elle les profs dans l'éducation nationale entre sa paye c'est les aides de la CAF, ma pension, etc., autour, de, aux alentours de trois mille euros net minimum, minimum. Et elle a récupéré mon, mon logement qui était à loyer modéré que j'avais obtenu au travers de la RATP, alors qu'elle ne travaille pas à la RATP. Les, les juges lui ont tout donné. Et moi, je me suis retrouvé à la rue euh, en train de me faire héberger. Euh, au début, j'ai loué dans le privé quand, quand je travaillais encore à la RATP, mais quand j'ai été viré, Bon ben, euh, il a fallu euh, quitter mon logement privé. Et mon cas n'est pas un cas isolé. Hein, C'est tous les pères en France qui se séparent avec enfants en bas âge passent par ce circuit. Ceux qui ne sont pas fortunés, bien sûr, parce que quand vous êtes fortuné, tout devient plus facile. Donc, euh, euh, 400 euros. Mais euh, ceux qui, qui ne sont pas 400 euros, je m'explique. Pour un retard de 50 euros, par exemple, sur, euh, sur un mois de pension, et parce que mon ex-femme me doit elle aussi de l'argent, j'ai eu le malheur de, pas verser, enfin, de verser 350 euros, et eh bien c'est suffisant. Elle a déclenché à deux reprises des procédures d'huissier. L'huissier euh, m'impute ses frais un mois, d'accord et du coup, euh, il, il, il me prend aux environs de 500 euros. Alors que je, je suis condamné à 400 euros, que j'ai du mal déjà à les donner, je me retrouve à payer 500 euros par un sub subterfuge d'huissier, de frais, de machin. C'est un truc de fou. Moi, je ne peux pas me défendre, donc je laisse faire. Et il me prélève, il me ponctionne directement sur mon chômage. À la MPE, ils les prennent. Et je... J'ai essayé de me battre. Vous savez, vous, vous téléphone, vous avez des gens qui vous disent allez voir d'autres gens. Et de, de, les autres gens ils vous disent allez voir d'autres gens. Et puis là je dois porter des plaintes contre les menaces que je reçois, que je reçois régulièrement, les menaces en tout genre. Je, je croule sous les procédures. Je n'ai même pas le temps d'écrire mes plaintes. Là, je, alors je précise justement quelque chose de bien. Donc une personne qui m'a une personne donc qui m'a aidé, vous êtes beaucoup, hein, qui m'a envoyé un modèle de, de lettre euh, pour demander mon dossier médical vis-à-vis -vis de ce qu'ils viennent de me faire là pendant six jours, l'hospitalisation de force, pour savoir un peu ce qu'ils m'ont fait boire comme euh, médicament euh, et pourquoi ils m'ont foutu dans un scanner, parce que quand, quand j'ai euh, perdu connaissance... Je les ai entendus dire, on va, vous, on, va, on va vous passer dans un scanner, vous êtes d'accord <laughs> C'est complètement absurde. Pourquoi, je, pourquoi ils m'ont foutu dans un scanner je, je, je veux dire, euh, j'ai rien demandé à personne, moi. Donc, allez, je continue. Euh, je vérifie que je suis, euh, bien entendu, toujours connecté. Hop. Alors voilà, je suis connecté et ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes à peu près 140 sur Facebook. Je ne regarde pas les autres réseaux. Allez, on continue. Donc, euh, là, je vide mon sac. Hein, maintenant que euh, c'est le moment où jamais je vide mon sac, les amis, excusez-moi. Donc, bon, on va rester sur la pension. Je contacte l'huissier. En lui disant, euh, les sommes que vous, que vous dites que je n'ai pas versées sur la pension euh, euh, ne sont pas justes. Il vous manque des versements qui ne vous ont pas été déclarés par mon ex-femme. lui qu'est-ce qu'il me répond euh, Donnez-moi la preuve. Je lui réponds, d'accord, mais dans ce cas-là, suspendez vos prélèvements, vous prélevez de trop. Il me répond, je ne peux pas. aller voir le juge de, de l'exécution, le GEX, pour éventuellement suspendre. Ben, vous voyez, c'est un serpent qui se part la que je suis en train d'étouffer avec les procédures financièrement et dans tous les sens. Bon bref, on continue. Je lui dis, et la NPE c'est pareil, il m'a dit, nous, on ne peut rien faire. Alors, je lui dis, ok, je suis prêt à vous donner mes preuves. Mais euh, en, en retour, je voudrais moi aussi pouvoir faire une procédure devant le GEX et aussi porter encore une plainte contre mon ex-femme, parce que mes autres plaintes sont en train de prendre la poussière. Encore une plainte, pour fausse déclaration, ou que sais-je le qualificatif. Donc donnez-moi, donnez-moi le, le, le... Qu'est-ce qu'elle vous a donné, elle, comme preuve Bon, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et donc là, il me dit que. Ah bah non. Moi, je la crois. Tout, ce, tout ceci est tracé, hein, c'est des échanges mails. Hein. Tout ceci, tout ce que je vous dis, je peux le prouver, est, tout est tracé. Et donc, il me répond euh, Ah, mais quand même, elle a fait une attestation sur l'honneur. C'est ça la preuve. Et bien, je, je lui réponds Ok, je vous donne mes preuves, mais vous me promettez de me donner une copie de cette attestation sur l'honneur que je puisse aller me plaindre. Il, il, il est resté muet. J'ai donné mes preuves. J'ai reçu sa réponse qui dit effectivement, après revérification avec Madame, vous avez raison. Euh, on vous prélève de trop parce que ces sommes-là que vous avez versées, euh, elle a omis, elle a omis de les signaler. Attestation sur l'honneur quand même. Hein. Elle a omis de, de, de nous les signaler. Euh, et puis qu'est-ce qui se passe Ils ne suspendent pas les prélèvements, ils n'annulent pas la procédure. Parce qu'elle lui a menti en lui disant va voir un autre huissier, on recommence à zéro. Il dit bon bah ok, vous passez de 500, alors les chiffres mes, mes, mes chers amis je peux me tromper mais c'est à peu près, vous passez de 530 euros à euh, 480 euros. Voilà, on a fait la correction. Une grande partie dedans c'est leurs frais à eux, je paye les huissiers quoi. Et... Euh, voilà, bah, j ai, j ai, je n'ai eu d'autres messages à lui écrire, c'était d'ailleurs mon dernier message, et je suis content, et ce soir, de pouvoir le faire, j'ai écrit « je vous dénoncerai sur la place publique ». Parce que, je vais dire, porter plainte contre tout le monde, y compris contre l'huissier, etc., déjà qu'ils veulent me faire passer pour cinglé, euh, moi j'ai pas le temps pour ça et donc là je dis je vous dénoncerai sur la place publique et je suis content ce soir, c'est un soulagement, c'est jouissif d'avoir pu le faire. Et d'ailleurs euh, je vais donner son nom, l'huissier. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Qui porte plainte et qu'on qu s'explique devant euh, les tribunaux. Donc je vais vous donner le nom de l'huissier. Euh, je vous ferai écouter aussi euh, les messages porno. De cette Béatrice elle à la fin, donc je vais préparer ça là. Juste, je vous demande deux secondes pour chercher le nom de l'huissier. Oh, Qu'est-ce que c'est jouissif que ce jour arrive? Alors, où est-ce qu'il est? -ce qu je suis en train de regarder mes mails, hein, pour vous donner son nom exact, parce que c'est un cabinet hein, d'huissier, c'est pas un huissier, et c'est peut-être une femme euh, qui, qui. Donc, quand je dis un huissier, c'est le cabinet d'huissier. Après, si jamais euh, euh, un jour on se retrouve devant les tribunaux, euh, ils, ils se dénonceront, ils diront qui, qui a écrit le mail. Alors. Faut que je remonte parce que ça fait plusieurs mois là que je tourne qu'il me prélève ces sommes là faut que je remonte c'est encore loin Hop. alors c'est encore loin je faut aussi que je fasse visuellement pendant que je vous parle le tri avec les autres huissiers qui eux me poursuivent pour autre chose, pour des crédits à la consommation, pour le crédit de ma voiture qui n'a pas, pas été fini de, de payer, pour aussi le, 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 les crédits que j'avais fait pour me présenter aux législatives. Donc voilà, alors là je fais du tri entre les huissiers, parce que là il, ça tape dans tous les sens pour trouver le bon huissier. Alors je crois que c'est celui-là. Ah voilà, c'est celui-là. Donc je ne vous mets pas à l'écran parce que euh, ça va exposer. Je ne veux pas donner le nom de mon ex. Voilà, pour ne pas euh, compromettre mes procédures en cours, mes plaintes contre elle en cours. Mais je vais vous donner donc le nom de l'huissier. On va trouver un moyen pour que vous voyez l'huissier sans voir mon ex. Voilà. Faites-moi plaisir, téléphonez, euh, écrivez des courriers, j'en ai rien à faire. Ne menacez pas, ne leur donnez pas une chance, aucune menace, mais faites des courriers de réclamation en disant c'est insupportable ce que vous avez fait, vous n'avez pas de cœur. Ça, je vous invite, euh, si vous avez le temps. Hein. Sinon, ce n'est pas obligatoire, hein, mes chers amis. Mais ça, euh, faites-le. Dites-leur qu'ils n'ont pas de cœur. Hein. Dites-leur que... Que c'est insupportable ce qu'ils m'ont fait. Hein. Écrivez, des courriers, euh, passez des coups de fil s'il le faut. Si vous, vous êtes déjà client de, de cet huissier, de, de ce cabinet d'huissier, changez-en. Changez je veux dire, euh, le système. Si on ne s'unit pas, si on n'est pas solidaire, on n'y arrivera jamais. Hein. Ils sont plus forts que nous. Hein. Moi, je ne suis rien face à ça. Allez, regardez. Donc ça, c'est mon, ça c'est ma boîte mail. Vous voyez. Donc là, parce qu'en dessous, il y a le nom de mon ex-femme en dessous. C'est pour ça que j'ai coupé comme ça. Donc voilà l'huissier. Je lis avec vous SCP Xavier Bariani, Dylan Richard et Magali Bariani. Alors voilà, nous avons le couple Bariani ou frère et soeur Bariani, Magali et Xavier, plus l'autre associé, c'est Dylan Richard. Et Ils sont situés, comme vous le voyez, 5 bis rue Sainte-Sophie, 78 000 à Versailles. Voilà Ah, j'ai je leur avais promis ça, et de le réaliser ce soir, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est jouissif. Vous pouvez, je pense que vous l'imaginez, tout, tout, toutes celles et tous ceux qui me regardaient, qui, qui, qui avaient subi des injustices, peut-être même... peut-être avec des huissiers ou pour d'autres raisons. Je pense que vous me comprenez, je pense. J'en suis absolument certain. Ah, c'est Ça, 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 ça je, je me sens déjà euh, en train de guérir. Je, je me sens déjà en train de me débarrasser. Déjà, vous, je pense que vous me trouvez un peu plus véloce qu'hier. Je suis en train de, de bien me sevrer hein, de, leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leur caca qui m'ont forcé à prendre. Ah, c'était juicif là, de, de montrer suicier parce que je lui avais promis. Bon, alors, euh, donc sur les, la question des Champs-Élysées. Voilà, je vois que Pedro, tu dis, l'union fait la force, bien reçu, bien fait, bien fait pour lui et pour eux. Qu'ils aillent se plaindre de, contre moi. On réglera euh, justement, euh, moi je n'ai pas les moyens de porter mille plaintes, au moins si eux, ils partent plainte contre moi. Bah, je ne demande que ça, j'irai m'expliquer. De... La justice déterminera si, si c'est moi le... Le... le salaud ou si c'est eux. Alors pour les Champs-Élysées, donc euh, on revient vite fait sur ce qui vient de se passer. Je pense que je vous ai donné euh, une assez grande analyse globale sur le fait que les Champs-Élysées, tout est verrouillé, tout est orchestré. Euh, ce, ceci vaut pour tous les actes, pour toutes les vidéos. Euh, je, ça m'économise de vous faire, de vous passer toutes les vidéos qui circulent, de les analyser, de vous montrer le, le drapeau, le drapeau maçonnique qui va bien, bleu, blanc, rouge, le drapeau de la République maçonnique française. Euh, je veux dire, ils interdisent les morceaux de bois, les lunettes de de, de piscine euh, pour qu'on ne se protège pas des des lacrimaux mais ils autorisent des drapeaux dire les drapeaux ils sont gigantesques hein. je veux dire même si c'est du plastoc le, 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 la barre c'est 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 dangereux hein, pour, ça peut être une arme à destination pire que pire que pire qu'un qu portable ça passe ça passe quand même ça passe quand même ils, ils se disent que c'est gobable c'est gobable bon alors, euh, là, précisément sur le dernier acte, l'acte 18, euh, juste j'ai noté, donc le fouquet en feu, euh, plein de magasins, c'est pas, pas nouveau, les champs élysées à chaque acte, ils se débrouillent pour casser une vitrine, un, deux, trois. Donc là, c'était Sephora, et puis d'autres magasins, voilà, et puis avant, c'était Monoprix. Et puis ça. Mais c'est de la comédie tout ça Je vais dire. Euh, brûler euh, un Fouquet vide, ou casser une Sephora vide, même s'il si, 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 peut y avoir du pillage, encore si c'était vrai. On n'a jamais vu les pilleurs arrêter. Tous les événements de pillage, on n'a jamais vu un pilleur passer en justice et se faire emprisonner. Vous êtes en train de me dire que. Euh, en France, on a les pires services de police et de, et de DGSI et de services secrets et que sais-je au monde de jamais attraper un pilleur et le foutre en prison. Donc, je, un, c'est connu que les magasins ça, leur, ça, ça les sert. Même il y a des restos, des restos qui brûlent régulièrement. Eh bien, ça sert à toucher les assurances et à refaire un restaurant neuf. C'est-à-dire, il n'y a, a pas une meilleure idée perverse. C'est très courant. Les voitures qui, qui se font voler pour permettre de toucher l'assurance et d'avoir une voiture neuve. Les boutiques qui se font casser, vandaliser pour toucher les assurances pour... parce qu'il n'y a que la bonne foi du magasin de dire voilà ce que j'avais en stock, voilà ce qu'on m'a volé. Il peut, il peut avoir eu... Euh, juste le huitième euh, en vitrine qui s'est fait voler et, euh, et avoir fait une surdéclaration, enfin je veux dire c'est pour, 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 pour les gens d'entre vous éveillés, c'est assez compréhensible ce que je vous dis, donc euh, déjà euh, là c'est le cas de le dire ce n'est pas juste un, une phrase il n'y a pas mort d'homme hein, que la, la, la devanture de, de Sephora soit cassée ou que sais-je moi le fouquette, déjà pour le coup, il n'y a pas mort d'homme. Deuxièmement, on sait que c'est utilisé, il y a eu plein d'affaires où c'est les propres donc, euh, propriétaires qui se débrouillent soit pour commanditer, soit pour, euh, comme je viens de vous dire, euh, causer euh, des dégâts sur leur propre, euh, que ce soit habitation, peu importe, magasin, voiture, euh, déclarer un braquage chez soi en, en disant... Euh, qu'il a été volé euh, des lingots d'or ou que sais-je, des bijoux de famille qui ont beaucoup de valeur, alors qu'il n'en est rien, euh, juste pour toucher l'argent de l'assurance. Ben, je veux dire, regardez les affaires criminelles, hein, c'est assez courant. Donc, d'une part, mais d'autre part, là, pour le coup, ce n'est pas uniquement dans ce dessin, dans ce but c'est d'abord dans le but des gilets jaunes de les salir donc c'est dans un but politique donc voilà ils sont, ils sont tout à fait capables de de casser tout à chaque acte casser la moitié des boutiques des Champs Élysées les refaire les recasser les refaire les recasser les refaire ça fait de l'info de la fausse info orchestrée ça fait du ça, 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 ça permet à des manipulateurs comme euh, a chaque fois, je vous en cite des différents, mais les soi-disant analystes de venir défiler, les soi-disant syndicats de policiers, les soi-disant penseurs en tout genre, et les soi-disant gilets jaunes médiatisés, et les membres du gouvernement, et les soi-disant oppositions, les Mélenchons, les France Insoumise, les, 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 les Asselineau et tout ça, de se pavaner, et les Ruffins, tous ces francs-maçons, de se pavaner, et de venir dire un mot dans les médias. C'est ça le jeu politique, c'est ça le jeu médiatique, c'est ça le jeu le malheureux jeu vicieux de la République française. C'est assez je veux dire c'est assez simple à comprendre Mais hein. une fois que vous l'avez compris, je vous l'accorde le le, le le si on vous le dit pas, vous pouvez passer peut-être une vie sans vous en rendre compte. Donc voilà, moi je vous le dis et je, ce que je suis en train de vous dire, c'est assez facile à comprendre. Donc à partir de maintenant, vous ne pouvez plus dire je ne savais pas. Vous, vous devez regarder avec d'autres yeux euh, les médias et la télé, les infos, les journaux, la radio, les hommes politiques. Les... Voilà, vous devez les regarder avec des, des yeux avertis. Le mieux, c'est que vous ne les regardez pas. C vous économiserez du temps. Euh, donc voilà, pour l'acte 18, tout ce que vous avez vu là comme feu, etc. C'est euh, leur orchestration, c'est leur, euh, leur comédie, tout simplement, pour nous salir. Euh, ils devraient changer de stratégie parce que les champs Élysées, à un moment, ça devient gavant. Et l'arc du, tri, du, du triomphe. L'arc de triomphe, pas du. L'arc de triomphe. Aussi, ça devient et puis Marianne qui a été cassée, mais c'est qui Marianne? Mais qui c'est qui Marianne? Il n'y a aucun Dominique Rizé qui qui, qui ose s'aventurer sur ces terrains C'est qui Marianne? C'est personne, c'est personne Marianne. C'est un, un personnage fictif de la même manière. Moi je pense, hein, après certains d'entre vous, je ne veux pas les froisser dans, le, dans leur certitude euh, qui. Euh, qui, qui respectent ou qui veulent qui, qui croit que comment elle s'appelle que Jeanne d'Arc a existé ben, voilà je respecte vos pensées mais Jeanne d'Arc c'est qui, enfin, qui c'est un personnage pareil fictif Comment on peut croire qu'une gamine euh, a, a fédéré, a fait la guerre aux, aux Anglais, a passé des accords diplomatiques, euh, alors que vous voyez bien, voyez bien comment il est le système Et ce n'est pas, pas de la Révolution française ou de la création de la République que ces pourris euh, nous tiennent, que la franc-maçonnerie euh, nous tient. Ça remonte, hein, ça remonte à des millénaires. Hein. Ça remonte, d'ailleurs, j'ai parlé d'Eric Fioril. Euh, regardez sa dernière vidéo, je trouve que il a très bien exprimé la chose franchement j'aime bien sa façon euh, il, il, euh, il comment dire il, il est un peu plus organisé que moi parce que moi je, je, je pars dans tous les sens il y a tellement de choses à dire alors lui c'est beaucoup plus euh, rythmé euh, je trouve et organisé que moi d'ailleurs je, je vous la mets à l'écran sa vidéo pourquoi ne pas joindre les, les actes à la parole je vous parle de lui alors voilà je vous mets à l'écran comme ça vous voyez sa dernière vidéo je vous invite vivement vivement à aller la regarder je l'ai trouvé d'une extrême bonne qualité je fais rarement comme ça de la promotion pour pour des personnes mais là ça vaut le coup je crois que je ne l'ai jamais fait ça, ça doit être la première fois ça vaut vraiment le coup alors Euh, c'est euh, sa chaîne c'est Sophie vous entendez le chien il est en train de, de renfler alors hein, je vous mets un petit coup yo-yo... Euh, qui dort <laughs> il m'a toujours fait rire quand il est ils sont jetés comme ça les chiens on dirait euh, on dirait euh, je sais pas moi, un vêtement quand il dort. Ah là, il est en train de faire un cauchemar. Il est en train de rêver. Bon, on va laisser dormir. Vous avez vu les doudous là derrière Le rose, c'est à ma fille. Euh, Spiderman, c'est à mon fils. Et là, plutôt, c'est euh, le doudou de que mon fils a eu depuis sa naissance. Là, vous voyez la photo de mon fils à côté de la lampe. Et la photo de ma fille aussi, qui est un peu partout. En haut, vous ne voyez pas bien, mais elle est dans mes bras. Et ensuite... Ensuite... Alors, j'ai du mal à viser. Voilà, c'est ma fille, mon fils. Voilà. Bon. Voilà yo, -yo. Euh, Maintenant, voilà euh, Eric Fioril. Voilà YoYo -yo, Voilà Eric Fioril. Alors on passe à Eric Fioril. Hop. Voilà. Donc, euh, voilà. La chaîne c'est euh, DemoSophie. Et donc la vidéo a été ajoutée euh, le 17 mars. Elle est euh, d'hier. D'ailleurs, hop, un petit pouce. Euh, regardez-le, regardez-le. Vous ferez votre propre avis, mais moi, je valide absolument euh, son message. C'est bien. Depuis que le mouvement des Gilets jaunes a pris une, une ampleur là. qui les a dépassés et le alors, malaise est les... si profond en France que de beaucoup le mouvement a pris une ampleur que, qui a dépassé les tout toutes les prévisions. Et je trouve que, franchement, alors, même si c'était vrai. Les la franc-maçonnerie a, a agi pour empêcher cette ampleur et pour le freiner le mouvement. Et pour cela, il y a plusieurs moyens et c'est toujours les mêmes techniques. Et et elles, elles sont, les, sont presque écrites cour, dans leur manuel. Il suffit de, de, se de, se de, se de se renseigner leur 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 sérieusement et, et, alors, et alors, on verra que c'est toujours les mêmes techniques qu'ils emploient. Déjà, ils mettent tout l'ensemble des gens qui sont en rébellion dans une position qui est celle de la revendication. Revendiquer, ça veut dire être en dessous de la main en qui voiture, tend et de travail. supplier à cette Écoutez, supériorité cette vidéo, de bien vouloir un... faire un peu moins de mal. Alors, et la revendication, c'est euh, jamais d'égal à égal, c'est de l'inférieur au yep. supérieur. Donc, c'est tout de suite moi. mettre les gens en position. Euh, ceci donc euh, étant, euh, alors on, a, on a parlé des Champs Élysées, on revient euh, donc un mot sur les européennes, sur le pourquoi j'ai toujours voulu donc euh, aller en politique et pourquoi aujourd'hui plus que jamais parce que tout simplement je vous avais parlé je me suis beaucoup dispersé ce soir hein, donc je vous avais parlé des cagnottes de mes problèmes financiers on a basculé sur euh, sur l'huissier que j'ai dénoncé et on revient donc on revient à ça euh... Je n'ai pas envie de vous prendre comme ça de l'argent de, de la main en main, ou que vous m'envoyiez des chèques, ou que je fasse une cagnotte. Je vous ai expliqué pourquoi. Ça me compliquerait au lieu de m'aider, ça me compliquerait encore plus la vie, et ça ça, 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 brouillerait, ça brouillerait la révolution et le message des gilets jaunes et mon message à moi et la dissidence. Donc, je préfère encore souffrir en silence dans mon coin. Euh, plutôt que euh, voilà prendre le risque prendre le risque que d'être moi-même sali accusé de vouloir profiter jusqu'à présent je n'ai jamais gagné le moindre premier euro sur tout ce que je fais euh, donc voilà je préfère ne pas prendre le risque mes enfants sont beaucoup plus importants que pour moi que de toucher euh, 100 euros de votre part ou, ou 1000 euros ou 10 000 en revanche en revanche, vous savez très bien que le nerf de la guerre, c'est quoi C'est l'argent. On ne pourra jamais changer ce pays ni ce monde si on y va juste avec notre courage, chacun dans son coin, euh, et avec unique, unique moyen, par exemple un gilet jaune ou autre chose, ou un téléphone, ou des lives. Donc, euh, c'est pourquoi. Il est tout à fait compréhensible qu'il faut s'organiser et s'organiser de manière légale. Ce n'est pas pour moi. S'il y en a qui veulent faire de la clandestinité, euh, armée ou pas armée, moi je ne soutiens pas ça. Ce n'est pas moi. Moi je vous ai dit ce que je fais et ce que je souhaite. Et ceux qui veulent me suivre, euh, je suis en train de vous dire ce que je, je souhaite. Donc il faut que ce soit légal. Il faut qu'on s'organise au maximum autour de moi, avec moi. J'ai trouvé plusieurs solutions pour, pour lutter contre les combats d'ego. Entre autres, le fait que demain, vous soyez tous chefs de votre propre parti. Mais ça, on, on va y arriver. D'abord, je vais créer, créer le mien de parti. Ensuite, je m'occuperai de vous. D'accord Donc, et je, je trouve que pour acheter le matériel dont je vous ai parlé, là, il me faut un deuxième téléphone au moins, pour pouvoir moi-même vivre, faire face aux huissiers. Pour pouvoir ne serait-ce que mettre un plein d'essence, si jamais, si jamais par miracle un média me donnerait la parole dans les jours à venir pour que je puisse descendre sur Paris. Si jamais, euh, tiens, Didier Maisto, euh, le, le patron de Sud Radio, veut bien me, me donner la parole, parce que apparemment il fait. Il dit sur tous les plateaux télé à qui il veut l'entendre que lui, contrairement aux autres médias, euh, il donne la parole à tout le monde. Et que, euh, je veux dire, il me harcèle sur mon groupe, euh, France Gilets jaunes, la vraie colère avec ses partages, toujours euh, pour faire sa publicité de Sud Radio, et de, et de, de ce qu'il a dit, de ce qu'il pourrait dire, etc., et de ses invités. Euh, je les laisse passer, hein, ces publications. Là, je les mis en sourdine parce que c'est trop. Et, il me met 5 euh, à 6 Sud Radio. Euh, sur le groupe, euh, au bout d'un moment, là je l'ai mis en sourdine, je crois, pendant 3 jours ou 7 jours. Euh, parce que vous, vous avez quelqu'un qui ne vous répond pas. Je le contacte, euh, il est, je crois qu'il est dans mes amis. Enfin, vous savez, c'est quoi les amis de Facebook hein euh, Il est dans mes contacts Facebook, il est dans mes amis. Je le contacte donc, par Messenger, il ne me répond jamais. Bon. Et à un moment, euh, bah, il va falloir savoir ce que tu veux, hein, Didier Maisto. Donc voilà, peut-être. Il aura un éclair de lucidité, Didier Maisto, et il voudra me donner la parole sur Sud Radio. Et à ce moment-là, bon, bah, bon, ça va, j'arrive à mettre un plein d'essence, mais histoire de dire, ça m'aidera à, 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 à vous proposer ce travail euh, que je vous propose, à, à faire ces vidéos, à vouloir changer le monde. Et moi, je me définis, mes chers amis, avant d'être patron de, de cette chaîne, dans cette chambre qui m'appartient pas dans laquelle je suis logé, euh, avant d'être patron de cette pseudo-chaîne qui n'existe pas et qui ne gagne pas un centime. Non, non, je, je me définis comme décrypteur. C'est ce que j'ai mis sur mon site internet, medimlawar.com. Mais surtout dans le cas présent, aujourd'hui. Euh, les gilets jaunes dans cette révolution et que là vous êtes de plus en plus à, à me connaître et à me suivre aujourd'hui je me définis comme d'abord comme votre stratège voilà. après vous en faites ce que vous voulez de mes stratégies vous voulez pas euh, ça, ça vous semble être de mauvaises stratégies suivez les stratégies des autres euh, moi je ne vous oblige à rien mais vous êtes beaucoup à me dire que c'est des bonnes stratégies et à m'en demander encore plus tous les jours, à m'envoyer, que ce soit des publications, des informations, en me disant, mais dis, euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on qu qu fait de cela Comment doit-on agir Comment répondre à cela Etc. Donc, je m'adresse à ces personnes-là qui me font confiance, qui me respectent et que je respecte et que... Surtout, c'est un lien de confiance, qui me font confiance depuis le temps dans mon esprit de la critique, dans mes stratégies, dans tout ce que je peux apporter. Au travers de tous mes travaux bénévoles, d'accord, depuis le début, je m'adresse à ces personnes-là en vous, en vous disant que aujourd'hui, je me définis plus que étant un ancien candidat aux législatives, un, un écrivain qui n'a jamais écrit un livre ou que sais-je, je me définis comme un stratège. Donc voilà, voyez-moi plutôt en ce moment comme cette personne-là, un stratège. Je suis euh, je suis un joueur d'échecs, donc bon, je veux, pour vous dire, mais ça, ça n'en fait pas forcément un stratège de, tout, de chaque joueur d'échecs, mais euh, je me suis penché sur plusieurs révolutions passées, sur plusieurs euh, événements historiques, je me suis penché sur plusieurs éléments, mon vécu, mon intuition, ma, 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 mes expériences, mes, 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 mon instruction. C'est un ensemble de. Mon instinct, c'est un ensemble de choses qui me font vous dire adoptant telle ou telle stratégie. Tout simplement. Je me suis beaucoup investi dans Nuit Debout. Euh, J'ai vu comment Nuit Debout euh, a été débranché. Ce qui me permet aujourd'hui euh, de faire, je l'espère, ce n'est ce, ce même pas euh, un espoir, c'est une certitude, ce qui fait qu'aujourd'hui les gilets jaunes perdurent. Malgré qu'ils ont essayé de les débrancher comme euh, ils avaient réussi avec Nuit debout. Eh bien, je, euh, je ne cache pas ma satisfaction et, euh, du fait que j'ai réussi avec d'autres et avec vous aussi. Vous êtes beaucoup d'indépendants, vous n'avez besoin de la pensée de personne à faire perdurer les Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui et il faut que ça perdure jusqu'à au moins mai-juin. Et s'il le faut, au-delà, jusqu'à ce qu'on vire définitivement la franc-maçonnerie de toutes nos institutions et de notre pays. Macron, c'est à la fin. D'abord, on commence par les institutions, la, la franc-maçonnerie. Macron, c'est un dernier problème. Ça doit être le dernier problème. Donc, je, aussi, je savoure, je savoure avec délice le fait que le, le sujet de la franc-maçonnerie, de plus en plus, arrive. Sur le devant de la scène, de, la, de, de, de tout ce qui est réseaux sociaux, et un peu partout on entend parler franc-maçonnerie, alors qu'il y a quelques temps j'étais presque le seul à en parler avec euh, donc Eric Fioril. Je savoure, voilà, je, je me jette des fleurs, et, et peu importe ceux qui qui penseront que que, que c'est prétentieux de ma part, ben, c'est pas grave, je savoure. Que enfin la franc-maçonnerie, de plus en plus de personnes en entendent parler. Euh, franc quoi Franc-maçonnerie C'est quoi ça Bah tiens, regarde. Bon, donc euh, le parti politique, c'est pour recevoir votre aide de manière légale. Il y aura, comme il y a dans tous les partis politiques, un ou plusieurs trésoriers qui euh, rendront des comptes. S'il y a la moindre malversation, moi je ne peux pas avoir les yeux partout, je ne peux pas m'occuper de tout. Donc, euh, d'ailleurs, si jamais un jour j'ai le pouvoir, je remettrai en place la responsabilité de chacun, parce que les, chacun, c'est pas, euh, j'ai pas su, j'ai pas connu. Il faut pas, faut pas faire certains boulots si vous savez pas. Faut pas euh, être euh, policier si vous avez peur. Faut pas euh, être pompier si euh, vous, vous vous avez le vertige, je veux dire, ça, 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 ça tombe de sens. Hein. Donc, il y aura des trésoriers ou un trésorier, enfin, je veux dire, suivant ce que je trouverai, euh, et qui rendront des comptes sur l'utilisation de vos fonds que vous, que vous ferez sous forme soit de dons, donations, de dons au parti, pas à moi-même, au parti, mais qui sera le mien. Hein, bon. Euh, ou alors, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, ça dépend de votre choix. Et aussi, donc, des adhésions. Parce que, bon, ben, un parti, ça suppose euh, des, des adhésions, ça suppose d'être membre, d'avoir sa carte, et ça suppose des cot cotisations. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas meilleure formule. Hein. Je n'ai pas envie de me lancer dans un système de, 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 de cagnotte ou que sais-je. Euh, voilà. Pour moi, j'espère avoir rassuré ceux qui, euh, qui estimaient qu'il ne faut surtout pas euh, aller en politique. Bien sûr qu'il faut y aller. Il ne faut pas juste être agent du système, hein, mais il n'y a pas d'autre voie. Hein. C'est que la politique qui réglera le problème. Ensuite, autre argument. Euh, nous payons de nos impôts. Tous ces élus, tous les élus, nous les payons de nos propres impôts, d'accord. Et que préférez-vous Voir euh, des personnes euh, payées avec nos impôts qui n'ont pas besoin d'aide financière, qui n'ont pas besoin d'aide de, de, financière, d'accord Qui font partie des élites et de la franc-maçonnerie. Pour pour beaucoup, ils n'ont pas besoin de notre aide financière, d'accord Allez les voir, elles, en bénéficier. Là, je parle de tous les candidats aux européennes et dans toutes les autres élections. Les PS, les, les Asselineau, les, les, les France Insoumise, les Mélenchon, les franc maçons les Ruffin, les, euh, les Marine Le Pen, les Francs National. Mais tout cela, je pas... Euh, La République En Marche, j'en parle même pas. Euh, les Républicains les partis existants actuellement je ne fais aucune exception d'accord vous vous préférez aller donner un salaire à ces gens là qui soient députés européens euh, ou que sais je moi maire euh, député comme j'ai essayé de pour les législatives députés français ou n'importe quel autre poste électif qui sera rémunéré avec notre argent à nous ou que cet argent aille plutôt à des gens comme votre serviteur, et comme peut-être vous demain enfin, Il faut à il faut un certain moment, il faut, il faut, il faut accepter d'écouter la, la vérité et de regarder la réalité, non, d'un chien une, une Marine Le Pen, députée européenne, mais ça change rien à sa vie, elle, elle vit très bien, elle, ils n'ont pas de problèmes financiers. c'est les Le Pen que, que je sache ou une Marion Le Pen, présidente de région, où ils n'ont pas de problème pr financier dans leur famille. Je veux dire, si jamais ça n'arrivera pas, je sais, quand j'ai été candidat aux législatives, je savais que j'atteindrais même pas les 5% pour être remboursé, et comme aujourd'hui, peut-être j'atteindrai les 5% aux européennes, mais ça sera déjà un énorme miracle si j'atteins 5%. Mais je ne m'imagine même pas... Être élu député européen, ça n'arrivera pas. Ou alors ce sera la première fois que je me trompe. L'une des premières fois. Je, je ne m'attends pas à être élu. Mais je vous dis l'idée, l'idée vaut le coup. L'idée vaut le coup. Imaginez. Imaginez que je suis élu député européen. Eh bien, salaire. Euh, comment, comment dire Enveloppe. Pour embaucher, euh, pour embaucher des assistants, enfin des personnes qui aident. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Des personnes qui m'aident à décrocher le téléphone, à, à écrire avec moi mes plaintes, euh, à analyser l'actualité pour vous, à euh, euh, critiquer l'actualité critiquer les, les discours politiques etc je vais dire là je suis tout seul je le fais bénévolement mais je, je doute que je, je puisse le faire de manière éternelle et avec une qualité euh, cohérente bah ben là regardez pourquoi allez-vous casser les pieds à vouloir m'envoyer des chèques alors que là c'est ponctionné de force sur nos impôts et ça va aller dans des poches de gens qui n'en ont pas besoin voilà donc ça fait moi ça me fait euh, beau, assez d'arguments pour justifier, j'estime qu'il est tout à fait normal que je le justifie devant vous, encore une fois, le pourquoi du comment de la création de mon parti et de me que je me présente une deuxième fois comme je m'étais présenté aux législatives, cette fois-ci aux, aux européennes et il y aura une suite aux municipales et ensuite on ira aux régionales et ensuite on ira à la présidentielle hein, si s'ils si, si m'ont pas dégommé avant. C'est, je vais dire. Il n'y a pas d'autre plan, il n'y a pas d'autre possibilité. Si avant, si avant, on arrive à, à changer le, le, le pays euh, avec la révolution actuelle des Gilets jaunes, Alléluia! Je vais dire, je suis là pour ça. Hein. Moi, si tout de suite je vois tous les, les juges franc maçons euh, je, euh, interpellé et que tout de suite euh, on me dise ah oui effectivement euh, je crois erreur, euh, erreur de la justice en votre faveur voilà vos enfants mais je vais dire c'est bon c'est bon mais ce, ce n'est pas le cas et si on n'est pas acteur nous-mêmes de notre propre vie de notre propre destin et pour notre propre euh, pays pour les autres pour le monde bah ben, ça rien n'arrivera seul vous le savez très bien bon alors sujet suivant pour quelqu'un qui devait faire une vidéo courte il est 1h du matin euh... <laughs> je suis désolé hein. bon allez euh... bon voilà on va finir bah ben, je pense que j'avais j'ai touché à tous les sujets alors on va passer au sujet porno de la fin que j'ai gardé pour la fin. Alors, l'épilogue et la fin pour euh, cette dame, Béatrice Elbez. Euh, donc si vous voulez, je le répète, connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire avec cette dame que je ne connaissais pas, qui m'a qu'on m'a dit euh, il faut que tu lui répondes, elle, elle t'a insulté, allez voir ma vidéo euh, d'hier. Donc aujourd'hui c'est suite et fin. Suite et fin, et même si demain il y a des rebondissements, même si... Euh, je ne sais pas, je, on, on peut tout imaginer, peu importe, même si elle s'excuse, je ne pense pas qu'elle le fera, peu importe, il n'y aura plus d'épisode 3 avec cette dame. Et elle n'aura pas euh, rien de plus de ma part. Rien. Elle, elle a eu sa chance. Euh, je, je, je suis très gentil parce que les vous allez entendre ce qu'elle me dit, je le regardais, je parle poliment, je ne l'insulte pas, mais euh, je veux dire faut pas m'en demander plus, hein. ça s'arrête là. Je ne veux plus euh, entendre parler de vous, madame, ou de toi, madame. Et je ne veux plus que vous me disiez euh, elle a fait elle peut faire 50 000 vidéos à l'avenir sur moi, pour moi, ce soir, je signe l'épilogue. Allez, c'est parti. Alors, couchez les enfants. Là, on va rentrer dans la partie euh, film de, de, de M6 du dimanche soir, quand il y avait encore un petit peu de liberté euh, en France. Hop, euh, alors donc vous rappelez euh, j'avais envoyé hier en direct un sms à cette dame euh, pour euh... <laughs> gaël tu dis plus de plus de gangbang voilà bon, c'est rien qu'à elle, elle seule c'est c'est un, un énorme gangbang hein. alors vous rappelez hier j'avais envoyé en direct donc, un SMS à cette dame parce que c'est elle qui met son numéro de portable sur ses vidéos. D'accord Et en plus, je lui avais fait de la pub parce que je vous l'avais montré. Beaucoup d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et ils l'ont découverte à travers moi. Et je vous ai montré sa vidéo dans laquelle elle m'insulte et dans laquelle elle soutient euh, c'est Jérôme Rodrigue, euh, Eric Drouet. Et je vous, je vous avais dit, et là je vous le redis ce soir, je ne ferai pas d'analyse de sa vidéo. Sa vidéo est une analyse en elle-même. Il suffit que vous la regardiez une fois. Si vous arrivez à tenir jusqu'à la fin, vous avez l'analyse. Alors, j'avais envoyé euh, donc euh, un SMS. Et voilà une capture. Elle m'a répondu. Hop, voilà. Voilà, vous pouvez vérifier en haut que c'est bien son numéro qu'elle met en affichage sur son site. Je vais lire et après je vais agrandir si c'est petit pour vous. Donc là c'est mon premier message que j'ai montré hier en live. Regardez l'heure, je l'avais cité, l'heure, j'avais dit que les messages étaient partis à 17h06. Ok, là. C'est ce que vous avez vu hier. Je vous ai mis ça à l'écran. Et là, c'est la suite. Alors on peut lire. J'ai pas le début du SMS. Pourtant, j'ai signé, Medim Nower. On critique quelqu'un. On insulte quelqu'un, il signe de son nom, et là la, la personne ne semble pas comprendre ce qui se passe. Donc là vous verrez que même euh, je vous montrerai tout à l'heure les messages vocaux. La, la personne semble ne pas comprendre qui je suis. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui lui arrive Qui êtes-vous Alors elle dit là, elle dit j'ai pas le début du SMS. Bon, alors je lui ai dit, je lui ai écrit, tu critiques tellement de monde que tu ne te souviens pas. J'aurais dû mettre plus que tout. Tu ne te souviens pas qui est qui. Je vais vous agrandir, les amis. J'ai vu la Michel. Tu m'as dit c'est trop petit. Je vais vous agrandir. Là, je finis de, de lire. Et je rappelle alors ceux qui ne savent pas. Si vous retournez la vidéo, si vous retournez la vidéo, vous l'avez vous, vous avez donc euh, sur en plein écran sur vos smartphones et vous vous, voyez, vous pouvez voir plus de détails. Alors. Et là, alors là, regardez ce qu'elle me répond. Moi, j'ai écrit tout simplement, tu critiques tellement tout le monde que tu ne te souviens pas qui est qui. Et alors là, retourne te faire un cloporte. Et là, j'ai écrit, toujours bien éduqué, la crédibilité, ça se travaille. Et là, elle a écrit, et j'ai pas voulu répondre parce que ça sert plus à rien. Lâche-moi fils de hum, tu me gaves. Allez, j'agrandis après on passe à la suite. Voilà, vous pouvez vérifier. Voilà, là c'est assez grand. Voilà, mon premier message que j'ai montré hier, sa réponse ma réponse sa réponse ma réponse. Sa dernière réponse, et je n'ajouterai plus rien à cette dame. Ici, l'épilogue s'arrête. Ici, l'histoire avec elle s'arrête. Une histoire forcée, hein, parce que ce n'est pas moi qui ai qui fait une vidéo l'insultant. Hein, C'est l'inverse. Maintenant, on va euh, passer au vrai film porno, au vrai euh, euh, X-Gang-Bang. Parce que là, on, je vais vous faire écouter. À contre-cœur, hein, parce que c'est vraiment violent. Hein. À contre-cœur, c'est messages vocaux. Allez, tenez-vous bien. Hop. Je vous prépare ça. Alors. Je vous mets ça à l'écran. Non, Pas à l'écran, ça sera sonore. On va mettre ça avec le. Peut-être le yo-yo, mon chien enfant. Plutôt que, que moi, parce que c'est violent. Hein. Ces propos, vous, les, vous allez les entendre, c'est violent. Plutôt que de porter des plaintes, moi j'y arrive pas, parce que ça, ça fait trop de plaintes après. Voilà, voilà. là j'ai dénoncé le les huissiers. Ça me vaut. C'est la meilleure des plaintes, c'est parce que là je me plains au peuple. Normalement, la justice est rendue au nom du peuple, ce qui n'est pas le cas. Là, je me plains de cette dame, voilà, au peuple. Ça m'économise de, de faire une plainte. Alors, je vous mets ça. Et euh, donc, on va écouter. Donc, elle m'a envoyé, elle m'a appelé deux fois, et elle m'a laissé deux messages vocaux. Premier message vocal, donc toujours hier à 21h. On va mettre le chien... Pauvre chien. En attendant. Et je vous mets... Premier message vocal. Alors, je suis désolé hein, pour la gro les grossièretés et tout ça. Oui, bonjour, ou je suis Béatrice Elbès. Je pense que vous êtes trompé là, vous m'avez laissé un SMS. Oui, bonjour, je suis Béatrice Elbès. Je pense que vous êtes trompé là, vous m'avez laissé un SMS. En écrivant, vous auriez pu me contacter ou tu aurais pu me contacter. Je ne sais pas qui vous êtes. Donc, éventuellement, rappelez-moi. Je ne vois pas du tout qui vous êtes. Voilà, bon, bah, jusque-là, on n'est pas encore rentré dans le dans le scato, dans le sordide, dans, le, dans la zo zo zoophilie. Pour l'instant, ça reste à peu près. Cette dame euh, critique quelqu'un pendant 1h30 dans une vidéo, elle l'insulte. Ensuite, cette personne même qu'elle a insultée pendant 1h30 lui envoie un SMS avec sa signature Medim en bas. Et cette dame-là, elle va jamais comprendre euh, qui est la personne. Qui l'a contacté. C'est absolument phénoménal. Et maintenant, tenez-vous bien. Euh, tenez-vous bien. Donc là, euh, dernier message. Et elle euh, peut m'en laisser d'autres. Je les publierai hein, si j'ai envie. Mais euh, de ma part, elle n'aura plus euh, une minute. Euh, euh, sauf s'il euh, y a des suites judiciaires et elle n'aura plus une minute dans aucun de mes lives donc là ce message là je l'ai reçu euh, vocal ce message vocal je l'ai reçu d'elle à 3h35 du matin c'est à dire ce matin 17 ce dimanche 17 à 3h35 du matin écoutez bien oh je sais pas qui t'es t'as que ça à foutre meursse en pleine nuit mon merde plus, je te répondrai plus. J'ai perdu du temps avec ta gueule de merde. Je sais pas qui tu es, mais lâche-moi. Ok SMS à la con, j'en ai rien à battre. Hein t'as à perdre avec des, des fils de pute là. Ils sont là me harcelant en pleine nuit. Là. Alors, pauvre merde, il dort pas en direct, t'envoies des SMS. T'as l'intention de me faire chier long, longtemps Ou tu veux que je balance ton numéro de téléphone là publiquement Et que je le signale pour harcèlement Alors lâche-moi, t'as compris On Bon voilà mes, mes chers amis, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors je me mets à l'écran et je finis de vous parler. Voilà. Voilà. Donc euh, je précise, parce qu'il est important de le préciser, pour ceux qui ne l'ont pas compris, que mise à part, mis à part ce que je vous ai montré. C'est-à-dire les trois les, hein, les SMS que je vous ai montrés à l'écran, que je lui ai envoyés, je, je ne l'ai contacté d'aucune autre manière. D'aucune autre manière. Ni je l'ai appelé, ni je l'ai eu au téléphone, ni d'aucune autre manière. Mis à part mon live, le live que j'ai donné hier, qui lui a été adressé en partie, et ce que je viens de vous montrer, les SMS, dans le premier, je l'avais envoyé devant vous hier. En tout, trois SMS. Je, je ne l'ai contacté, je ne lui ai donné de réponse d'aucune manière. Donc là, elle dit que je la harcèle. À vous de juger. Bon, pour moi, c'est tout vu. Hein. Et euh, si euh, elle veut aller en justice, au juge de juger. Si, 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 si c'est moi qui l'ai harcelé, harcelé. Ou si c'est moi qui euh, ai fait une vidéo pour l'insulter. Allez voir la vidéo qu'elle a fait sur moi. Vous allez voir, hein, c'est... C'est extrêmement euh, courtois comment elle, elle s'adresse à moi et elle fait genre qu'elle ne me connaît pas. Euh, quand je dis courtois, bien entendu, euh, c'est ironique. Voilà, pour moi, épilogue, fin. Je ne lui répondrai pas. Il faut toujours donner l'exemple, les amis. Je n'utiliserai pas ces termes. C'est très vulgaire. Ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas, euh, pas moi. Donc elle aura juste à l'avenir euh, mon indifférence. Voilà, elle aura juste mon indifférence. Et ce n'est pas le type de gens à qui je vais donner la parole pour quoi que ce soit. Donc là, je l'ai vu tout à l'heure, elle s'est exprimée. Si jamais si jamais elle revient donc sur mes lives s'exprimer ou vouloir mettre du chahut, elle aura le même traitement que tous les trolls. Elle sera bloquée et bannie. De, 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 de tous mes groupes et, et, et tous mes comptes réseaux sociaux. Euh, voilà. Je ne peux pas être plus clair. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Bien entendu, si jamais elle a bugué en cours de route, vous la trouverez sans bug aucun, parce que je l'enregistre en même temps moi, sans bug aucun sur mon compte YouTube, de toute façon, je mets dès que j'ai mis la vidéo sur YouTube, je mets une publication avec le lien YouTube sur mon Facebook et mes autres comptes sociaux. C'est ce que j'ai eu pour l'habitude de faire. Je vous invite, pour éviter la censure, à ne pas hésiter à mettre un pouce, euh, un pouce sur euh, sur les vidéos YouTube, mes vidéos. Celle à Eric Fioril aussi, par exemple, comme vous venez de voir que j'ai fait, c'est important parce que il euh, y a les algorithmes, il y a les personnes comme cette dame et d'autres qui vont mettre des pouces inversés et euh, YouTube interprète cela comme étant des vidéos mauvaises, euh, malsaines ou que sais-je, qu'il faut censurer et qu'il faut. Euh, étrangler euh, de plus en plus euh, surveiller et étrangler leur créateur donc euh, voilà je vous invite à mettre le maximum de pouces sur sur mes vidéos youtube sur celle de euh, Eric Fioril je vous remercie pour toute votre attention je suis fier d'avoir réussi à nouveau à fournir un live même si c'était pas mon but au départ mais un live euh, riche riche de sujets hein, riche de sujets j'ai abordé multiples sujets pendant ce live et euh, voilà je je retrouve je retrouve de un petit peu de vigueur hier j'ai fait j'avais pas fait le le dixième de ce que je fais ce soir j'étais K.O j'étais ko donc là c'est que mon sevrage, ce que je mets en place avec le sport, etc., fonctionne. C'est de bonnes augure. Je suis content. Et bon, ben je finis comme d'habitude. Euh, eh bien, en vous saluant, en vous saluant pas nommément, mes chers amis, je ne pourrai pas ce soir. Mais vous savez que je suis, euh, je suis avec vous, vous êtes avec moi. Vous me donnez beaucoup d'amour fraternel, énormément d'amour amical. Et je vous en remercie de tout mon cœur. C'est ce qui me fait tenir. Et vous savez que tout ce que je fais là, tout ce que je m'épuise devant le micro, depuis longtemps, je ne suis pas... Je n'ai jamais gagné un euro avec ce que je fais. Et bah c'est tout simplement ma manière de vous rendre tout cet amour et de vous donner un, un tour avant même que vous me connaissiez, de vous donner de l'amour. Je vais lire, je ne vais pas faire de jaloux, peut-être les cinq derniers commentaires, mais c'est impossible d'aller au-delà. Alors, Joachim, Geronimo, Lario, tu dis bonne fin, de nuit à tous, à toi aussi Mehdi, à demain soir, j'espère. Pascal, Romélie, bonne nuit à tous, Pedro... Alcatraz, idem, salutations. Guylaine Miras, euh, bonne nuit tout le monde. Euh, Kevin MK Sentu, j'espère que tu n'as pas écrit un truc. Toi tu es très axé sur les MK Ultra, Kevin, mais ce n'est pas mon sujet. Alors tu dis, bien médit le sport, justement, il n'y a rien de mieux pour éliminer. Et beaucoup boire, médim nawar, ça élimine l'effet des médicaments. Plus tu vas boire, Mieux ça sera. Kevin, je suis d'accord avec toi. Et excuse-moi si j'ai pris de l'avance à critiquer ton commentaire. Ton commentaire est magnifique. Frérot, il n'y a pas de souci. Parce que je t'avais par le passé un petit peu engueulé. Tu étais trop figé sur toujours les mêmes sujets. Et il euh, n'y a pas de souci. Reviens vers moi. On va, je vais te remettre sur mon groupe Messenger. Kevin, salutations frérot. Allez, oula, bon, allez. Vive le peuple, bonne nuit à vous tous. Marie Lefebvre, euh, bonne nuit, Mehdi. Tiens, Kevin, voilà, tu as été intelligent. Tu me réponds, tu me dis euh, beaucoup d'amour à toi aussi, Mehdi. Ok, allez, on s'arrête, les amis. Euh, Michel Tournois, tu dis ça veut dire quoi Tant... Quintan C'est quoi ça Quintan Mon nom Mon nom Mnawar, ça veut dire illuminé. Illuminati. Je suis... Je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Tant qu'un temps. Qu'un c'est quoi ça Alors, Pedro, ok. Euh... Michel, je crois que tu, tu fais des fautes de frappe. Tu dis bonne nuit à toi et surtout, au quittant. Je... Là, je perds du temps, mais qu'est-ce Qu que tu écris C'est quoi ça qui tend Donc, Kevin, tu dis T'inquiète, t'inquiète, il n'y a pas de mal. J'ai fait une stand-by sur le MK, justement. Très bien. Euh, Michel Tournoi, tu insistes, tu dis Mais ça veut dire quoi Écoute, moi, je ne te comprends pas. Quintan, tu peut-être MK Ultra. Allez, tu préciseras, Michel. Les amis, je vous souhaite. Euh, à toutes et à tous, donc, ce qui reste de nuit, que ce soit bonne, une bonne nuit. Euh, et vous savez que vous êtes, vous êtes ma sécurité. Parce qu'en plus là, avec ce qui vient de se produire, euh, je suis encore plus rassuré de vous parler tous les soirs parce que vous êtes euh, quelque part vacciné par rapport à ce qui m'est arrivé. Je sais que à l'avenir, si vous y a un seul live où vous ne me voyez pas, je sais que vous, 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 vous allez sortir, euh, la, 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 la... Vous, vous allez appeler partout pour signaler ma disparition. Je sais que vous allez remuer euh, ciel et terre pour me retrouver. Après ce qui vient de se passer, et c'est grâce à vous si j'ai pu sortir aussi vite. Euh, c'est grâce à vous et je suis vraiment content de vous avoir les amis, je me sens franchement je me sens apaisé, je me sens je, je vous le dis hein, je me sens rassuré, je me sens en sécurité, je sais que je ils ne pourront pas refaire le coup en tout cas, me faire disparaître sans que ça se voie. et donc vous êtes mes anges quelque part sans vous nommer hein, vous toutes et tous vous savez que je m'adresse à vous, vous le savez au fond de vous, j'espère que vous n'aurez pas à l'avenir, à nouveau, à vous inquiéter pour moi, ni à prendre votre téléphone, et à appeler pour me chercher, à signaler ma disparition à tous les services, à harceler, parce qu'il faut les harceler, hein. c'est-à-dire si c'est les gendarmes, par exemple, qui m'ont arrêté, ils ne m'ont même pas arrêté, si c'est les gendarmes qui vont vous dire, oh non, mais 24 heures, c'est quand même, euh, c'est un peu tôt, attendez, Attendez trois mois. Non, non, il faut, faut, faut... Hein Quand moi, euh, ils m'ont dit, euh, quand même, vous vous sentez persécuté un peu... Oui, je me sens très persécuté. Très, très persécuté. Bon, mais par par, par vos conneries. Hein. Je me sens persécuté par vos conneries euh, de francs-maçons, de, 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 franc de, de systèmes pourris. Voilà par, par qui je me sens persécuté. Euh, les amis, je donnerai donc, et ça sera le cas tous les soirs, il faudrait que vous me voyez tous les soirs, au moins juste au début, et après vous pouvez partir. Ou, ou le lendemain, jetez un coup d'œil, est-ce qu'il n'y a pas eu un live Et si vous voyez qu'il n'y a pas eu de live, vous pouvez vous inquiéter. Donc je donnerai bien entendu, comme tous les soirs, un live ce soir, tout simplement. Ou peut-être, euh, ça dépend de ma forme dans l'après-midi, mais je dire, je corrige tous les jours, plutôt que de dire tous les soirs, si jamais je donne un live dans l'après-midi et que vous ne euh, me voyez pas le soir, que vous... Hein, on s'est compris. Donc je donnerai un live par jour. Voilà, correction. Un live par jour. Et donc je vous donnerai. Parce que là, on est dans le, dans, dans le. On est le 18. On est le lundi 18, mais on est dans le live de dimanche 17. Et donc je donnerai. Euh, dans le courant de la journée d'aujourd'hui. Le live de lundi 18. Allez, mes chers amis on va s'arrêter bisous à tout le monde merci beaucoup pour votre amour je vous souhaite déjà là je fais gaffe à ma main faut pas que je fasse de conneries je vous souhaite une bonne nuit et courage à ceux qui travaillent je sais qu'il y en a qui travaillent courage euh, bisous à ceux qui m'écouteront en différé dans leur voiture peut-être demain matin là je pense à mon ami euh que j'en ai déjà parlé, hein. je pense à mon ami Nico. Allez